Non, je préfère chez le monsieur. Très bien. Compris lorsque je vais monter. Ça marche. Il y a un problème de fréquence sur le 2. Ah. Je pense qu'il y a, ça a dû s'allumer ailleurs. Ils ont dû allumer un micro peut-être dans les parages. Et... ça, c'est bon. C'est bon, marche. On va y aller. Oui. Hein, oui, oui. Celui-là, c'est bon. Ça, celui-là.
Bien. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer cette nuit de la lecture. Je voudrais, au nom de tous les membres de l'Institut, ils sont nombreux ici, dont plusieurs secrétaires perpétuels, et plusieurs académiciens qui vont s'exprimer d'ailleurs, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette troisième nuit de la lecture. Et je sais que certains d'entre vous ont commencé le marathon avant même d'arriver sous cette coupole, puisque les choses avaient déjà commencé à la bibliothèque Mazarine. Alors vous le savez, l'Institut abrite plusieurs académies, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences, morales et politiques. Tout cela fait presque 500 membres, toutes académies confondues. Donc il devrait y avoir 500 fauteuils, il y en a un petit peu moins dans cette coupole, mais c'est quand même ainsi que nous parlons des académiciens disparus. Ils ont leur fauteuil. Asseyez-vous donc bien confortablement dans ces fauteuils, un peu comme Alfred de Musset qui conseillait qu'on s'installe bien pour ses spectacles dans un fauteuil et qui avait le seul besoin d'être lu, comme ce soir. D'ailleurs, peut-être le fait-il quelque part, Musset était au fauteuil numéro 10. Alors, ce n'est pas un spectacle, c'est un hommage à l'écriture et donc à la lecture que nous proposons ce soir, un voyage. Et vous allez voyager tranquillement dans ces fauteuils, dans ce lieu qui se prête au voyage, parce que l'Institut, par définition, je viens de le dire, c'est la cohabitation et la rencontre de savoir, de culture, de connaissances, de spécialités dans le domaine des sciences et dans le domaine des arts, qui toutes concourent à magnifier la culture, et la plus élémentaire des formes de la culture, c'est l'écriture, et donc la lecture. Si nous rassemblions tous nos académiciens, de fait, nous pourrions faire la tour de Babel, on pourrait parler à peu près toutes les langues, je crois, mais tous ne sont pas là, rassurez-vous. Je voudrais quand même donner un seul exemple de cette mémoire incroyable de la langue chez les académiciens. J'ai l'honneur d'occuper le fauteuil 40 de l'Académie française et un de mes prédécesseurs, et pas si loin que ça, l'antépénultième, Georges Dumesnil, à lui tout seul, possédait 50 langues. Bon, on essaiera de ne pas lui faire honte. Donc c'est un voyage de mille et une nuits, c'est un voyage de mille et une lectures, plus d'une langue, comme dirait notre consoeur Barbara Cassin, de l'espagnol à l'ukrainien, au grec, mais même aussi les langues anciennes. Alors, soyez sans inquiétude, nous traduirons. Soyons sans inquiétude, ce sera traduit. Parce que d'abord, notre maison est hospitalière, et qu'on ne va pas vous laisser comme ça au port et laisser naviguer dans des langues que personne ne connaîtrait, mais aussi parce que le voyage ne serait pas complet sans la traduction. La traduction, c'est elle-même un voyage entre deux langues. Vous savez toutes les questions qui sont évoquées à propos de la traduction, comment traduire, est-ce que la traduction n'est pas une trahison, etc., etc. Traduire, c'est voyager d'une langue à l'autre. Alors, j'en termine, le principe est simple. Chaque académicien présentera très rapidement l'extrait qu'il a choisi. Il en lira un bref passage dans la langue d'origine de cet extrait, avant de le lire intégralement dans sa traduction française. Et parfois, quelques images illustreront les textes qui seront lus. Voilà, mesdames et messieurs, la soirée commence. Vive la lecture. Je laisse la parole à mes confrères des différentes académies, ces autonomes voyageurs qui ont parcouru tant de textes dans leur vie et qui vont chacun nous dire dans leur langue les merveilleuses contrées qu'ils nous ont aperçues pour nous. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. Nous allons commencer notre soirée avec Muriel Mayette Holtz, qui est comédienne, qui est metteur en scène, qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts, et en femme de théâtre qu'elle est, elle sera dans quelques instants en scène. Donc nous la remercions vivement d'avoir accepté d'ouvrir cette soirée pour vous parler de quelque chose qu'elle connaît bien,
qu'elle pratique, qu'elle fait travailler aux plus jeunes, cette musculature affective dont parlait Antonin Artaud, qui voyait dans l'acteur un athlète du cœur. À vous la parole. Merci Catherine. Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs. Avant d'initier cette série de lectures, cette soirée si dense, je voudrais évoquer avec vous quelques pensées autour du dire, autour de l'art de dire, de l'oral. Parce que c'est un art qu'on pratique tous les jours, mais sur lequel on réfléchit, à mon avis, pas assez. Et c'est un art sur lequel on peut infiniment progresser. C'est une machine redoutable à piloter. Alors la première chose, toutes les manifestations de trac, quand on doit se lever et prendre la parole, il faut comprendre que ce sont quasiment que des manifestations physiques. On a peur, on a trop froid, trop chaud, on devient rouge, on transpire, on ne sait pas comment se mettre, on ne sait plus respirer, on respire en haut jusqu'à s'étouffer et donc on perd le contrôle de son corps. Parce que la plupart du temps, quand on doit prendre la parole, on pense à ce que l'on va dire, on pense à ne pas buter sur un mot, mais on ne part pas assez physiquement sur le dire. Or, l'art de dire, c'est d'abord un art physique. C'est-à-dire qu'il faut des pieds, comme les plantes, il faut des pieds pour pouvoir respirer et non pas respirer vers le haut, mais en élargissant, les chanteurs ne me contrediront pas, sa cage thoracique, et laisser libre nos deux petites cordes vocales qui sont à l'intérieur, un peu comme un sexe féminin. Et donc c'est un organe extrêmement intime qu'on partage avec les autres. Et c'est sans doute une des raisons, ça n'est pas la seule, mais pour laquelle on a du mal à progresser dans le dire. La plupart des gens vous diront « Oh non, 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 mais moi je ne sais pas prendre la parole comme on peut dire, je ne sais pas chanter », ce qui n'est pas juste. Et donc, si on envisage la prise de parole ou de lecture d'abord avec ses pieds, parce que ce que reçoivent les gens, avant tout, la première chose qu'ils voient, c'est notre instrument, c'est-à-dire c'est notre corps. Et on va partager, avant de partager du sens, on va partager de l'émotion, comme si des bras nous reliaient. Et que sur ses bras, quand on se voit, c'est ces trois petites secondes qui font que coincé dans un ascenseur, l'un des deux baisse les yeux. Si sciemment, on est d'accord de venir se brancher physiquement avec le public, on est capable, devant une salle beaucoup plus nombreuse que le plateau, que ma solitude, d'équilibrer la balance. Alors, évidemment, là, l'exemple, il n'est pas tellement probant parce que je suis au milieu de vous. Mais en gros, sur une scène, c'est pour ça qu'on met une scène, je dois, mon travail, il est, et c'est magique, parce que ça marche, c'est d'équilibrer la balance entre toute l'énergie que vous m'envoyez, ma conscience et ma volonté de me brancher avec vous. Et voilà. Et maintenant, je peux équilibrer avec mon énergie, équilibrer cette balance. Si je parle trop fort, je vais la déséquilibrer. Si je n'ai pas, utilisé mon corps et si je ne veux pas sciemment me brancher, l'énergie que vous m'envoyez me disjoncte. Et donc, en gros, on voit les gens qui font ça, ce que j'appelle la marche de l'éléphant, parce qu'il y a trop d'énergie qu'on ne sait pas dépenser. Je le dis parce qu'il suffit d'abord de travailler sur cette dimension-là, mais déjà d'y penser, se dire mais je ne vais pas aller sur le texte, je vais d'abord aller avec mon corps et de la même façon je vais accepter de vous montrer tout ce que j'aime de moi mais aussi tout ce que je n'aime pas. Et je pourrais dire c'est une célébration du vivant, le dire. Alors si en plus on a des poètes, c'est merveilleux. Mais avant le poète, je dois utiliser cet organe et le partager avec vous de l'intérieur de mon corps, donc une vraie intimité, et accepter de vous donner
tout ce que j'ai de moi que je connais et tout ce que je ne connais pas. Et d'équilibrer cette balance. Ça, c'est la première pensée que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est ce que j'appellerais l'appui. À qui s'adresse-t-on ? Quand je vais lire un texte, je peux choisir de le lire devant vous, pour moi. Ou je peux choisir de le lire devant vous, pour vous. Mais pour lutter contre ce diable de juge qui est à l'intérieur de moi et qui est un juge absolument terrible, il ne s'agit pas de se dire « bon, je n'y pense pas, comme les enfants, je ne vais penser qu'à ça ». C'est de ne pas avoir le temps de ne pas lui laisser d'espace à ce juge. Et pour ce faire, il faut que je m'occupe de vous et que je sois très claire sur mon appui. Est-ce que, encore une fois, devant vous, je parle pour vous, ou est-ce que devant vous, je parle de ma voix intérieure pour moi, en acceptant que vous me voyez ? Et avec une surconscience, surtout que là, je suis sur une scène avec du public de chaque côté, avec la conscience de ce que vous voyez, de ce que vous voyez là, de ce que vous voyez de moi partout. Et cette surconscience, c'est une manière de dépenser une énergie folle. C'est très fatigant parce qu'encore une fois, c'est physique. Et la dernière chose que je veux partager avec vous, parce qu'évidemment, il n'y a pas de truc, mais en revanche, en travaillant, on fait des progrès considérables. C'est le silence. Les musiciens ne me contrediront pas. Il n'y a pas de musique sans silence. De la même façon, si je commence à m'amuser avec ce silence, je crée du suspense. Et donc, je tends l'émotion, l'énergie émotionnelle que j'ai établie à partir du moment où je suis venue sciemment sur ce plateau. Plus je tends ce silence, plus il y a une attente de votre côté. Mais si, encore une fois, je suis venue avec mes jambes et consciemment, en vous donnant encore une fois tout le mystère que je représente, tout ce que je connais et que je ne connais pas, alors ce temps joue pour nous et permet à chacun une respiration, permet à chacun d'interpréter ce que je vais dire, d'interpréter le texte que je vais partager avec vous. Voilà ces trois pensées pour démarrer cette soirée de la lecture. Et pour finir, je voudrais vous lire un poème de Rainer Maria Rilke qu'il a écrit en français. Malheureusement, je suis désolée, on déroge un peu à la règle, mais on n'a pas trouvé de traduction allemande de ce poème qui vient du recueil Verger et qui illustre mieux que ce que je viens d'essayer de partager avec vous l'importance de ce corps ami. Qu'il est parfois doux d'être de ton avis, frère aimé, ô mon corps. Qu'il est doux d'être fort de ta force, de te sentir feuille, tige, écorce, et tout ce que tu peux devenir encore, toi, si près de l'esprit, toi, si franc, si uni dans ta joie manifeste d'être cet arbre de gestes qui, un instant, ralentit les allures célestes pour y placer sa vie. Je vous remercie. Rome, le monde romain et la langue latine, notre mère, avec Xavier Darcos de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et chancelier de l'Institut. Mais ce soir, sinon fi de tout ceci, c'est le latiniste que nous allons écouter, celui qui n'a jamais quitté la compagnie de d'Ovide, de Tacite, et de Virgile, notre vigie. Merci beaucoup.
l'exploit que vient de donner Madame Mayette. Je ne sais pas s'il faut que je me tienne. Je vais essayer d'y arriver quand même sans trop de tracts. Alors, je voulais citer un texte extrait des Métamorphoses d'Ovide, et je vais dire d'ailleurs pourquoi. D'abord pourquoi. Les Métamorphoses d'Ovide, c'est un texte écrit donc dans les années qui précèdent la naissance du Christ. C'est un texte gigantesque, 12 000 vers, même un peu plus, et qui a un projet très étrange qui consiste à raconter la totalité de l'histoire du monde à travers une succession de métamorphoses. Depuis la création, la genèse, la création de l'univers et de l'homme, jusqu'au moment où Ovide vit et jusqu'au siècle d'Auguste, qui est d'ailleurs à la fin cité. Alors, pourquoi d'abord ce projet? En fait, c'est un projet qui n'avait pas d'exemple, si peu d'exemples d'ailleurs, que le mot métamorphose n'existe pas en latin, c'est un mot grec. Mais c'est aussi parce que la métamorphose est la croisée, le lieu clé de toutes les mythographies, de tous les mythes, de toute mythologie. Ce n'est pas seulement une mythologie d'ailleurs, parce que la métamorphose existe, la chenille qui devient papillon, c'est une réalité biologique. Mais c'est le moment où on peut s'interroger sur l'identité et l'altérité. Notre vie est une métamorphose. Que je suis aujourd'hui, je suis sans doute la même personne que celle que j'étais lorsque j'avais 10 ans, mais tout me porte à croire, notamment mes rhumatismes, que je me suis métamorphosé. Nous sommes à la fois dans l'identité et dans le changement d'une manière permanente, et si il m'arrivera peut-être, ou que sais-je, de perdre une partie de mon esprit ou de devenir complètement gâteux, je serai encore la même personne, mais je ne reconnaîtrai même plus les miens. Donc la métamorphose est une réflexion sur l'identité d'une manière très, très profonde. Et en même temps, évidemment, c'est le fantasme idéal. Renaître sous une autre apparence, devenir invisible et voir tout le monde, se changer de telle manière qu'on puisse devenir Dieu, voire immortel, ou au contraire être puni et devenir quelque bestiole, quelque animal. C'est aussi le mouvement et la fixité, parce que la métamorphose me change, mais aussi me fige. Lorsque un personnage de la mythologie devient fleuve, fleur, papillon, plante, il est changé, il est en mouvement, mais il est aussi dans la fixité. Bref, c'est la référence obligée, la métamorphose de tous les rêveurs, de Shakespeare, de Nerval, de Lewis Carroll, bien sûr, ou d'Ionesco. Et donc, la série, la suite que nous donne Ovide est une manière de voir à la fois toute l'histoire mythologique, mais aussi tout le merveilleux humain, tous les fantasmes humains dans leurs diverses formes. Le passage que j'ai choisi est un des plus célèbres. C'est la métamorphose de l'or, de Daphné en laurier. Apollon est fou d'elle. Il veut absolument la posséder. Il la poursuit. Et Daphné, qui ne veut pas être possédée, demande à son père, à un fleuve, qui est son père, un fleuve divin, de la transformer en laurier. Cette scène a inspiré une iconographie si puissante que je pense que tout le monde parmi vous l'a déjà vue. Nous allons d'ailleurs projeter pendant ma lecture un exemple très célèbre qui est la statue faite par le Bernin qui se trouve à la Villa Borghese à Rome et dont on dit qu'elle est tellement bien sculptée que les doigts de Daphné qui finissent comme des feuilles. Lorsque on fait vibrer la statue, on entend le marbre qui claque un peu comme si c'était des vers qui s'entrechoquaient. Je crois que c'est une légende italienne, mais enfin, c'est pour vous dire. Lisons d'abord un extrait de ce texte en latin. C'est le moment où Apollon est prêt de la saisir. Vix prece finita. Torpor gravis occupat artus. Molia seguntur, tenui precordia libro. In frontem crines, in ramos brachia, crescunt. Pes modo tam velox, picris
radicibus aeret, ora cacumen abet, remanet nitor unus in illa. Hancoque phobus amat, positua quo in stipite dextra, sentit aduc trepidare novo sub cortice pectus. Complexusque suis ramos ut membra lacertis oscula dat ligno. Refugit tamen oscula lignum. Quideus, hat, coniam conjux mea non potes esse. Arbor eris certe, dixit mea. Semper abebunt te coma, te quiterae, te nostrae lorae faretrae. Tu ducibus latiis aderis, tu laeta triumphum vox canet et visent longas capitolia pompas, postibus augustis eadem fidissima custos et forestabis, mediamque tubere quercum. Aduc mecum intonsis caput, es juvenile capilis, tucoque perpetuos semper gere frondis honores. Finirat pean, factis modo, laura ramis adnuit atque capus visa est agitasse cacumen. Alors je vous traduis avec le passage qui précède et je vous signalerai quand on en vient au texte latin. Apollon est amoureux. Il a vu Daphné. Il veut la posséder. Il espère ce qu'il désire. Mais il a beau connaître l'avenir, sa préscience le trompe et son espérance est une chimère. Comme on voit s'embraser le chaume léger après la moisson, comme les haies s'enflamment quand la nuit, un voyageur imprudent en approche sa torche. Ainsi s'embrase et brûle le cœur d'Apollon. Il voit ses cheveux sauvages de cette nymphe qui descendent le long de son cou. Ah, que serait-ce, dit-il, si elle les avait coiffés? Il voit comme les étoiles briller ses yeux. Il voit sa bouche vermeille. Mais voir ne suffit pas. Il admire les doigts, les mains, les bras dénudés. Et ce qu'il ne voit pas, son imagination l'embellit encore. Daphné fuit, plus vive que la brise légère. C'est en vain que le dieu cherche à la retenir en l'appelant. Nymphe du Péné, je t'en conjure, arrête-toi, ce n'est pas un ennemi qui te suit. Arrête-toi, nymphe, arrête-toi. La brebis fuit le loup, la biche le lion. Devant l'aigle, la timide colombe s'envole épouvantée. Chacun fuit son ennemi, mais moi, c'est parce que je t'aime que je me lance sur tes traces. Il voudrait lui parler davantage, mais Daphné, dans sa course effrénée, fuit encore plus vite et le laisse là, lui et ses mots inachevés. Nous sommes là dans le texte que j'ai lu tout à l'heure en latin. Alors, de nouveaux charmes l'excitent encore davantage. Les vents dénudent son corps, les souffles de face font flotter sa robe et le zéphyr déploie sa chevelure qui s'étale. Dans la fuite grandit la beauté. Comme le chien de Gaulle apercevant le lièvre dans sa plaine et fond sur sa proie, tels sont Apollon et Daphné animés dans leur course rapide, lui par le désir, elle par la frayeur. Le dieu paraît voler, soutenu par les ailes de l'amour. Il poursuit la nymphe sans se relâcher. Il va la toucher. Déjà, son haleine brûlante souffle sur ses cheveux qui flottent. Elle est pâle, à bout de force, vaincue par la fatigue, exténuée d'une course si effrénée. Elle fixe les eaux du Péné et leur dit: « S'il est vrai que les fleuves partagent le pouvoir des dieux, ô mon père, aide-moi, ô terre, ouvre-toi, échange ma funeste beauté qui me perd. » À peine
Elle achevait cette prière que ses bras s'engourdissent. Une écorce légère commence à presser son sein délicat. Ses cheveux verdissent en feuillage. Ses bras s'étendent en rameaux. Ses pieds naguère si rapides collent aux racines en se figeant dans la terre. Enfin, la cime d'un arbuste couronne sa tête et une splendeur unique émane d'elle. Apollon est encore plus amoureux. Il serre les branches dans ses mains et sous la nouvelle corse, il sent palpiter son cœur, il l'entend. Il embrasse les rameaux, il les couvre de baisers, mais l'arbre semble les refuser encore. Oh, « Eh bien, dit le dieu, puisque tu ne peux plus être ma femme, tu seras l'arbre d'Apollon. Le laurier, désormais, couvrira mes cheveux, ma lyre, mon carquois. Il parera le front des chefs latins lorsque des chants d'allégresse célébreront leur triomphe et accompagneront leur cortège jusqu'au Capitole. Les rameaux, unis à ceux du chêne, protégeront l'entrée du palais des Césars. Et comme ma tête juvénile ne doit pas perdre ses cheveux, les feuilles aussi conserveront une éternelle verdure. À ce vœu, le laurier inclina un peu ses frondaisons. Il sembla lui donner une sorte d'assentiment et sa tête fut animée comme par un frémissement d'amour. Florence Delay, de l'Académie française, au fauteuil numéro 10, est écrivain, comédienne, critique théâtrale, traductrice, professeure de littérature comparée, avec une prédilection pour l'Espagne et pour sa langue, une passion qui a d'ailleurs donné, parmi les nombreux livres qu'elle a écrits, celui-ci, dont je voudrais simplement citer le titre magnifique et qui dit tant. Mon Espagne, or et ciel. J'ai choisi un extrait d'un grand dramaturge du siècle d'or, Calderón de la Barca. Le siècle d'or, c'est un siècle et demi, presque deux. L'or des Amériques, leur matériel, et l'or de la culture. C'est un moment éblouissant, littérairement, poétiquement. C'est l'époque de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón, qui est le contemporain de notre Corneille. Inutile de vous dire que le meilleur Corneille est piqué au théâtre espagnol. Il existe en Espagne une foi chrétienne si profonde que les fêtes religieuses sont nombreuses et que le public du théâtre, qui est très très nombreux, qui est véritablement le peuple espagnol, est malheureux de ne pas aller au théâtre. Alors fut inventé un genre qui s'appelle l'acte sacramentel, qui a tous les recours de la comédia, de la tragédie, mais qui ne parle que de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie. Ces actes sacramentels font fureur. Ils sont joués par les mêmes acteurs que dans l'année courante, c'est-à-dire que le galant devient le péché, l'héroïne devient l'âme, et ce sont des pièces, ces actes sacramentels, des pièces passionnantes. Lope de Vega, Calderón en ont écrit beaucoup. Celle que j'avais traduite pour la Comédie française s'appelle « Le procès en séparation du corps et de l'âme ». C'est une histoire magnifique, à laquelle je vous prie de croire,
l'âme est forcée de descendre du ciel pour épouser le corps. Le corps est nu, il sort de sa caverne, mais il est accompagné de 5 alliés, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, et quel est le dernier ? L'odorat. L'âme descend avec ses 3 facultés, mémoire, entendement et volonté. Au moment où il se touche, surgit une flamme, la vie. Et c'est très beau au théâtre parce qu'on voit arriver une jeune comédienne très belle qui naît du geste du corps nu vers l'âme toute belle. Ça ne marche pas. Le mariage est une catastrophe. Rien n'est commun, ça ne marche pas. L'âme se résout à demander le divorce. Et je vais vous lire son plaidoyer devant le Seigneur pour qu'on la sépare du corps. Cielos, sol y luna, signos, estrellas, luceros, hombres, aves, fieras, peces, mares, montes, rayos, vientos, mis lágrimas escuchad, mirad mis suspiros tiernos. Y vos, soberano juez, que en el tribunal supremo de 11 gradas de zafir juzgáis los malos y buenos, a mis voces atended, oíd mis tristes lamentos, que más que a todos a vos es menester atento, cuando antes vos pensar trato, jurídicamente pleito matrimonial a mi esposo, que disuelva el casamiento que contra su voluntad hizo el alma con el cuerpo. Ô ciel, soleil et lune, étoile, du soir et du matin, présage, homme, poisson, bête sauvage, oiseau, mont, mer, vent et orage, entendez mon chagrin, contemplez mes larmes. Toi surtout, juge souverain, qui dans le tribunal suprême, aux 11 marches de saphir, juge les bons et les méchants, laisse-moi délivrer ma plainte. Écoute-moi gémir, car c'est surtout de toi, Seigneur, dont j'ai besoin lorsque j'entame un procès en séparation contre mon époux, afin que les liens soient dissous qui ont attaché l'âme au corps contre son gré. Si mon amour de la vie, qui est un personnage, a retardé un temps les choses, en découvrant ces mauvais plis, j'ai perdu tout mon amour. C'est pourquoi je porte aussi plainte contre ces mauvais traitements et contre la vie qu'ils me mènent. Pour ton information, j'atteste, premièrement, avoir été forcé de descendre d'en haut. Secondement, j'allègue l'erreur sur la personne, que son arrogance et sa morgue suffisent à prouver. Voilà, Seigneur, les deux mobiles dont à tes yeux un suffirait, qui me détermine à agir en présentant comme témoins les grands docteurs et les prophètes. Rappelle-toi le roi David. Tu verras que dans un poème, le psaume 41e, 42 pour les Hébreux, il dit « Sors l'âme de prison, Seigneur ». Augustin, dans son commentaire, ajoute au mot « prison » du corps. Le docte Genebrard, plus qu'en prison, la voit subir un siège de l'ennemi et dit que mes amis les plus justes d'entre les justes
connaissent ce que je ressens. Dans ces trois lamentations, Job, affligé de mille misères, parlant de son âme empêchée par tant d'obstacles, dit qu'elle est une mère inquiète, cernée, enfermée, assiégée par les sables. Et Saint Jérôme, qui dénonce l'oppression dont je suis victime, dit que les entraves et les chaînes causent mon dépérissement. Paul, en ressentant tout le mal que cette prison cause à l'âme, s'écrie « Oh, que soit tranché le nœud de la chair !» Et Grégoire de Nazance, « Ôte de moi, Seigneur, cette lourde tunique et donne-moi une autre, plus légère. » Et le meilleur de tous, le Christ, lui-même a guéri une femme qui ne pouvait plus voir le ciel. Tous ont compris que ce corps dont je me plains constitue un empêchement puisqu'il m'a tyranniquement privé de mes vertus. Mon supplice est le supplice du tyran qui est attaché un vivant et un mort ensemble. Car en fin de compte, je vis englué dans ses désirs, sa violence, sa goinfrerie, sa vanité. Justice, Seigneur, justice. À ces mots, la vie s'évanouit, le corps tremble. La suite, je ne vous le dirai pas. Michel Zinc, de l'Académie française et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a étudié et enseigné la littérature médiévale. Il est l'auteur de très nombreux livres savants, de romans, mais aussi de deux livres dont je voudrais là encore citer les titres, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le premier est un livre de souvenirs, « Seuls les enfants savent lire », et le second est un essai, « On lit mieux dans une langue qu'on sait mal ». Et nous allons précisément entendre une langue lointaine déjà, mais pourtant familière, que nous connaissons mal, mais que nous reconnaissons. Un hasard absolu fait que je vais prêcher une vertu moins austère que celle de ma très chère consœur Florence Delay, mais une vertu tout de même. Je vais lire deux courts passages du premier chef-d'œuvre romanesque de la littérature française au XIIe siècle. C'est vers 1170, le premier roman de Chrétien de Troyes, Éric et Énide. C'est aussi le premier roman arthurien. Un roman en vers, il n'y avait que cela à l'époque, et comme on disait alors, un roman d'aventure et d'amour. Mais son originalité est que cet amour est l'amour conjugal. Il faut peu de temps à Éric et Énide pour se rencontrer, s'aimer, se marier, avec la bénédiction du roi Arthur et de la reine Guenièvre, et connaître une nuit de noces délicieuse et une lune de miel plus délicieuse encore. C'est alors que les épreuves commencent. Non parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils s'aiment trop. Les obligations du chevalier et du fils de roi qu'est Éric le rattrapent. L'opinion lui reproche de manquer à ses obligations. Énide l'entend, elle en souffre. Il voit ses larmes, la contraint à lui en dire la cause. Il est irrité, irrité contre elle, on ne sait pas, mais elle en a peur. Il l'entraîne dans sans un mot, sans une explication, dans une errance sans fin,
à travers les forêts et leurs dangers, elle en avant, si belle comme un appât. Ces dangers, ces souffrances, ils les affrontent ensemble. Ils en triomphent grâce à elle, grâce à sa vaillance aussi, mais grâce aux soins qu'elle prend de lui. Et il en triomphe jusqu'au dernier, où ils échappent de justesse, lui à la mort et elle au déshonneur. Et sauvés, ils se retrouvent enfin, se comprennent, jouissent d'un bonheur encore plus grand qu'au premier temps de leur mariage. La leçon est claire. Il est facile de tomber amoureux. Il est facile de se marier. Il est difficile de prendre conscience de ce à quoi on s'engage. Mais Chrétien ne fait pas la morale, ce n'est pas un père la pudeur. Il sait qu'on ne peut concilier tous les devoirs du mariage que si chacun veille d'abord à ce que le devoir conjugal soit pour l'autre un plaisir. Et les deux passages symétriques et très brefs que je vais lire peuvent paraître osés. Ils sont surtout délicats et profonds. Le premier relate la nuit de noces d'Erec et Énide. Le second, leur nuit d'amour au terme de leurs épreuves après leur retrouvaille dans la sécurité et la félicité retrouvée. D'abord, donc, la nuit de noces. Je commence en ancien français, puis je traduirai, je lirai la traduction jusqu'au bout. Donc d'abord, la ruine, cette entremise de la tornée, du coucher que l'un et l'autre avaient moutchière. La reine Guenièvre s'est occupée de tout préparer pour le coucher parce qu'elle les aimait beaucoup tous les deux. Serre chassée, qui de souhait falaine, ne désire tant la fontaine, n'éprouvier ne vient au reclin si volontiers comme il a faim, que plus volontiers n'y venisse un souhait qu'il s'entretenisse. C'est le nuit, on moute restauré de ce qu'il aura demeuré. Je continue en français, enfin, où je recommence, enfin, si vous voulez, il vaut quand même mieux, n'est-ce pas? Mais, le cerf. Traqué qui allait de soif ne désire autant la fontaine, ni l'épervier affamé n'accourt aussi impatiemment aux réclames que tous deux n'étaient impatients d'arriver au moment où ils seraient dans les bras l'un de l'autre. Cette nuit-là, ils ont bien rattrapé le temps qu'ils avaient perdu. Quand la foule a quitté leur chambre, parce que tout le monde était là jusqu'au dernier moment, hein, quand la foule a quitté leur chambre, ils rendent la liberté à chacun de leurs membres. Leurs yeux se récréent à contempler eux qui ouvrent la voie à l'amour et qui envoient leur message au cœur. Ils prennent tant de plaisir à tout ce qu'ils voient. Après le message des yeux, vint une jouissance bien plus grande, la douceur des baisers qui sont les appâts de l'amour. Tous deux font l'épreuve de cette douceur et en abreuvent leur cœur jusqu'au plus profond, au point qu'ils ont grand peine à séparer leurs lèvres. Et je reviens à l'ancien français pour les derniers vers. De Béziers fut les premiers jeux. Et la mort skièrent entre eux deux, fils la pucelle plus hardie, de rien ne s'est accordé, tant s'offrit que l'igre vaste, un souhait qu'elle se levasse, au perdu le nom de pucelle, au matin fut dame nouvelle. Le baiser fut le premier jeu, mais l'amour qui les unissait l'un à l'autre rendit la pucelle plus hardie, rien n'a effarouché, elle souffrit tout, quoi qu'il lui en coûtât. Avant qu'elle sortît du lit, elle avait perdu le nom de pucelle. Au matin, elle était dame nouvelle. Bon, vous voyez que c'est pas du japonais comme tout à l'heure, c'est même pas du latin, c'est facile, l'ancien français. Et vous, c'est notre langue. Et surtout, vous avez entendu
la fluidité de ces vers qui s'enchaînent sans effort, sans une cheville, sans une lourdeur. Erec et Énide s'aiment tant qu'ils jouissent pleinement de tous les préliminaires. Énide a un peu mal, bien sûr, mais elle est si heureuse qu'Erec fasse d'elle une dame nouvelle, sa femme. Et on remarque qu'au début du passage, vous avez peut-être remarqué, au début du passage que j'ai lu, la citation qui est audacieuse dans ce contexte du début du psaume 42. Là encore, nous nous rejoignons à un psaume près avec Quebad modum desiderat carus ad fontes aquarum ita desiderat anima mea ad te Deus. Comme le cerf désire l'eau des fontaines, ainsi mon âme te désire, mon Dieu. Chrétienne III a de constantes préoccupations religieuses qui éclatent dans son dernier roman, Le Conte du Graal. Mais il ne trouve rien de choquant à comparer au désir de Dieu celui des jeunes époux l'un pour l'autre. Mais tout cela n'est rien au regard de la jouissance absolue de la nuit des retrouvailles. Erec, décidément. Et encore, Erec, certains ont dit que c'était malheureux, comme Cambremer, mais enfin, passons. Erec à peine remis de ses blessures et Énide de sa frayeur. Je lis là le début en français moderne et je lirai que les derniers vers en ancien français. Maintenant, il est guéri et rétabli. Maintenant, Énide est tout en liesse. Maintenant, elle est toute joie et volupté. Ils sont couchés l'un avec l'autre, jour et nuit. Maintenant, tous ses voeux sont exaucés. Maintenant, elle retrouve sa grande beauté, car elle avait jusque-là le teint très pâle, tellement sa douleur l'avait marquée. Maintenant, elle connaît enlacements et baisers. Maintenant, elle a tout ce qui la comble. Maintenant, elle connaît joie et jouissance. Or, sont nus à nu en un lit. Vous voyez que c'est facile. Éliens l'autre, accolent et baisent. N'est rien nul qui tant leur plaise. Tant ont eu mal et ennui, ils pour lit et elle pour lui. Or, ont fait leur pénitence. Lien sans contre l'autre tense, comment ils puissent au mieux plaisir. D'où sort plus, me doit désir. Maintenant, ils sont tous deux nus dans un même lit et échangent embrassements et baisers. Ils ne connaissent plus grande délice. Combien de malheurs et d'infortunes n'ont-ils pas connus, lui pour elle et elle pour lui. Maintenant, ils ont achevé leur pénitence. L'un et l'autre rivalisent à qui donnera le plus de plaisir. Le reste, je dois le taire. Un mot encore, mais si je retrouve mes papiers, mais je ne retrouve pas. Ça n'a pas d'importance. Il y a tellement de romans d'amour. Il y a tellement de romans d'adultère. Peut-être plus encore, probablement. Et il y a si peu de romans de l'amour conjugal. Il y a tellement de romans d'amour et d'adultère que ça a lassé quelquefois même leurs auteurs, membres de l'Académie française. Mauriac disait à Paul Bourget, à la fin, ça ne vous ennuie pas, cher ami, de raconter chaque année l'histoire du monsieur et de la dame. Donc, tant de romans d'amour, tant de romans d'adultère, si peu de romans de l'amour conjugal. En tout cas, ce n'est pas chez Mauriac qu'il faut les chercher. Thérèse d'Escayroux, elle veut tuer son mari. Le nœud de vipère, il veut déshériter sa femme. Le baiser au lépreux, le corps de son mari la dégoûte. Dans le nœud de vipère aussi, d'ailleurs. Mais, à l'aube de notre littérature, Chrétien de Troyes a créé Erec et Énide. Je vous remercie.
Nous avons dit que cette soirée nous ferait voyager dans l'espace et dans le temps. Eh bien, nous nous dirigeons à présent vers la Chine, l'Empire du Milieu, avec Marianne Bastide-Brugger, sinologue de réputation internationale, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Aux origines de la littérature chinoise, il y a le livre des Odes, dont elle a choisi de lire un extrait ce soir. Merci. Le corps appartient à l'individu en propre. C'est sa matérialité physique et biologique. Il est frappant de constater que jusqu'au XXe siècle, dans la culture chinoise, dont subsistent des traces sur 3 millénaires, des témoignages écrits sur cette culture, que ce soit poésie, fiction, théâtre, essai, histoire ou philosophie, ces témoignages écrits se sont attachés surtout à ce que les êtres humains partagent, à tout ce qui les lie aux autres, au sein des familles, des communautés, des clans, des divers groupes. Il s'agit d'émotions, de sentiments, de doutes, de croyances, d'observations du monde naturel et humain, d'expériences vécues. Mais les auteurs ne s'attardent pas sur les particularités physiques ou les singularités psychologiques individuelles. Les personnages qu'ils évoquent ou inventent ne sont guère des personnes en chair et en os. La géographie, le climat, dirait Montesquieu, ces espaces immenses, les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre catastrophiques, peut-être ces conditions naturelles qui incitent à se rassembler contre l'adversité, ont-elles favorisé ce mode assez impersonnel de la création littéraire. Mais il s'y ajoute que la façon traditionnelle de s'exprimer est fort différente de l'usage européen. Depuis l'Antiquité grecque, en Europe, on apprécie un discours qui dit les choses, qui les énonce avec clarté et logique. Et c'est à partir de cet énoncé direct que l'art littéraire essaie de rendre le langage plus expressif ou d'éclairer par des comparaisons ou des images certains aspects. Au contraire, l'expression directe, réaliste, était considérée par les anciens Chinois et encore par beaucoup d'entre eux aujourd'hui comme incongrue, voire grossière, brutale, agressive. Tout doit être suggéré. Et c'est au lecteur ou à l'interlocuteur de comprendre le sens. Le sens n'est pas caché, mais exprimé par métaphore de façon détournée. Tout est sous-entendu, mais pas hermétique, car l'habitude des textes et de la conversation fait saisir aussitôt l'allusion. Dire les choses crûment serait prendre le lecteur pour un sot inculte. Sur la perception du corps humain, il faut souligner aussi l'importance jusqu'à nos jours des conceptions liées au fond religieux du taoïsme, à l'inverse de la vision confucéenne de l'homme en société. La pensée taoïste n'envisage que l'individu et le tout, c'est-à-dire l'univers, le cosmos. Pour atteindre un bonheur parfait, permanent, l'homme doit entrer en fusion avec le Dao, qui est le principe de l'univers,
le processus spontané qui régit le cycle naturel de l'univers. Le chi de chaque individu, c'est-à-dire le souffle qui est à la fois esprit et matière, énergie vitale et influx spirituel, procède du Dao. Pour s'unir au Dao, il faut s'affranchir de l'artificiel. Il convient d'enrichir, de nourrir son énergie vitale et surtout de l'affiner pour que, devenue plus subtile, elle entre aisément dans la fluidité du Dao. On y parvient grâce à des exercices de maîtrise de la respiration, comme en a parlé Madame Mayette, qui libère le souffle des organes et la circulation des humeurs, par une gymnastique aussi, par une pratique sexuelle contrôlée. La méditation aide et des entraînements divers. Il ne faut pas réprimer les sentiments. Ces sentiments doivent faire un avec la nature humaine et permettre ainsi à l'esprit humain de retrouver la vraie nature de l'existence et d'atteindre une totale liberté en rejoignant la liberté même de l'univers soutenu par le Dao. J'ai hésité sur le choix du texte à vous lire. Dès le deuxième siècle avant notre ère, est apparue en Chine une littérature érotique et des manuels de l'art de la chambre à coucher, parfois pornographiques. Ces manuels ont fait florence, il continue. Le lien de ces œuvres au taoïsme, supposé ou revendiqué, est une parfaite tromperie. Ces œuvres ont été condamnées avec vigueur par tous les maîtres taoïstes. Dans la Chine traditionnelle, la sexualité n'a jamais été libérée. Il n'en demeure pas moins que sous les Ming parurent quelques romans érotiques de grande qualité littéraire, mais aujourd'hui encore interdits en Chine à la jeunesse. Par exemple, le Jinping Mei, Fleur de fiole d'or, de 1596. Il aborde en description détaillée les ébats des corps qui n'envient rien du tout au Décaméron, mais sont un peu longues. Même dans le chef-d'œuvre de Cao Xueqin, Le rêve dans le pavillon rouge de 1754, qui a été lu par tous comme un classique, on trouve des pages où des corps nus sont minutieusement scrutés au long de nuits mouvementées. Mais de même que les récits corsés de romancières d'avant-garde d'aujourd'hui, comme Shanghai Bébé de Zhou Weihui, qui a paru en 1999, a été interdit et brûlé publiquement en 2000, ce genre de texte m'a paru incongru sous cette noble coupole. J'ai pensé aussi à une œuvre de la littérature du corps souffrant des années 1979-2015, où la représentation des corps blessés, estropiés, mutilés, défigurés, brisés par de longues années de lutte, de pénurie, de prison, de travaux forcés, de précarité, renvoie à l'image d'un corps social meurtri et aliéné. Mais cela m'a paru trop sombre et désespérant pour cette soirée que je voudrais agréable. J'ai préféré remonter aux sources en choisissant un poème du Shejin, qui est un recueil de poésie que l'on appelle en français le livre des odes ou le classique des poèmes, et qui est le plus ancien des cinq classiques que savaient par cœur toutes les personnes instruites en Chine jusqu'au milieu du siècle dernier, et encore un certain nombre
aujourd'hui, aussi bien sur le continent qu'à Taïwan. Ce recueil réunit 305 poèmes qui datent du XIe au Ve siècle avant notre ère et proviennent des royaumes qui occupaient alors la plaine centrale au nord et au sud du fleuve jaune. Cette anthologie est attribuée à Confucius. Il y a mis de la moralité. Il est sûr que Confucius l'a connu, car il la cite souvent. Mais il est certain aussi qu'il n'en est pas le compilateur, car ses prédécesseurs et ses contemporains la citent déjà. Les chansons populaires qui composent la première partie, intitulée « Chant des principautés », d'où est tiré le poème que je vais lire, ont été recueillies par des fonctionnaires itinérants qui étaient envoyés par les princes pour sonder les sentiments populaires. C'est une pratique qui existe toujours en Chine. On envoie des fonctionnaires regarder les affiches dans les rues et écouter ce que les gens se disent dans les parcs. Et cela tient lieu de sondages d'opinion. Il se peut aussi que la collecte ait été faite à l'époque par les bureaux de musique des princes concernés, car ils échangeaient entre eux des musiciens qui propageaient les airs populaires de leur région, airs qui étaient inventés et chantés dans les villages lors des fêtes. Le poème que je vais lire est tiré du premier livre du recueil, qui en compte quatre. Ce poème est composé de quatre strophes, de sept vers chacune, et chaque vers est formé de quatre syllabes ou mots de caractère. Cette pièce est la plus ancienne description chinoise un peu détaillée du corps humain. Il s'agit du corps féminin. Outre son charme spontané que vous goûterez, j'espère, le texte a le surprenant mérite de peindre l'idéal de beauté féminine qui reste encore le plus apprécié aux yeux chinois et japonais d'aujourd'hui, tout sexe confondu. Vous regarderez les réclames de produits de beauté pour les produits chinois. Il n'existe point de canon de ce type pour le corps masculin. Je le regrette, et vous serez peut-être étonné des comparaisons choisies pour qualifier les attraits féminins. Mais souvenez-vous que nous sommes à la campagne. La traduction que j'ai utilisée suit celle de Rémy Mathieu dans la collection Folio de Gallimard, sauf quelques modifications que j'ai apportées en empruntant au premier traducteur français, le jésuite Adrien Couvreur, et aussi quelques petits ajouts de mon cru. La prononciation chinoise suivra celle qui est en usage de nos jours, car des milliers d'érudits ont essayé de retrouver ce que pouvait être la prononciation 8 siècles avant notre ère, mais c'est impossible. Le titre, c'est « La belle femme ». La belle femme est d'une taille élancée, corsage de simple toile sur une robe de soie brochée fleurie. Elle est fille du seigneur de Qi, femme du seigneur de Wei, cadette du palais de l'Est, belle-sœur du seigneur de Qi, le duc de Tan et son beau-frère. Ses doigts sont tels de fines pousses. Sa peau
comme Saint-Doux figé. Ça vous paraîtra un peu bizarre, mais c'est la graisse blanche, très propre, très fine. Sa nuque mince et souple, comme le lombric, le ver de terre. Et effectivement, dans les manies des hommes chinois ou japonais, c'est la nuque et non pas le décolleté qui est attirante pour le costume japonais, parce qu'il y a un trou derrière entre le col du kimono et la nuque. Ses dents comme des pépins de courge, front large comme la cigale, sourcils arqués comme antennes de papillon. Son gracieux sourire séduit, ses beaux yeux scintillent. Cette femme au port altier s'arrête dans les champs du faubourg. Ses quatre coursiers ont fière allure, des rubans rouges luisent à leur mort. Dans une voiture ornée de plumes de faisan et fermée par des rideaux, elle se rend au palais. Grand préfet, retirez-vous de bonne heure, ne fatiguez plus notre prince. Il attend sa femme. Les eaux du fleuve jaune sont en crue. Elles coulent au nord à gros bouillons. Les filets sont jetés avec un bruit sourd. Grands et petits esturgeons sont en abondance. Les roseaux et les joncs sont hauts. Toutes les princesses, ses compagnes, sont bien parées. Tous les hommes de sa suite ont une allure martiale. Voilà. Parlant de l'Arménie, ce n'est pourtant pas Charles Aznavour que nous écouterons ce soir, mais pourrait-on dire un de ses lointains, très lointains aïeux, Grégoire de Narek. Et qui mieux que Jean-Pierre Mahé pour nous en faire goûter la lecture, puisque, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il est spécialiste de l'histoire et de la civilisation arménienne, qu'il a consacré à ce poète qu'il a traduit et commenté de nombreux ouvrages. Je me réjouis de présenter ce soir une page de littérature arménienne au milieu des nations, comme il est écrit autour de la coupole. Cet oracle, ingénieusement choisi par le cardinal Mazarin, reflétait bien la vocation du Collège des Quatre Nations, mais il me semble qu'il correspond aussi au titre de cette nuit de la lecture, « Les mille et une langues ». D'abord, deux mots en arménien pour vous donner un avant-goût. « Dan Martik, Vorons Hamash, Khoslunkov, Yerkel, Avelorte ». Pour certaines gens, du moment qu'on a la parole, le chant est superflu. Et que dire de la danse ? L'écart est encore plus grand. Elle procède de la musique tout en la transcendant. Dans le texte que j'ai choisi, la danse, c'est le chant qui entraîne à bouger. Yerk Sharj Varjeni. On l'appelle ainsi en arménien, on l'appelle aussi en arménien la musique des mains. La musique des mains, c'est la danse. Les mains, bien sûr, s'entendent aussi des bras qui jouent un si grand rôle dans les danses orientales et, par métonymie, du corps tout entier
transfigurés par la grâce. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le chant est une modulation de la voix et la danse mobilise l'assemblage complet de la chair, des muscles et des os. Au contraire de la peinture ou de la sculpture, la danse ne recherche pas la forme plastique de type idéal d'Apollon ou d'Héraclès, d'Aphrodite ou d'Artémis. C'est une présence concrète, vivante, personnalisée, suggestive et sensuelle. Inspirant les rondes paysannes et les réjouissances collectives, la danse semble être d'abord vouée à n'apporter qu'une joie profane, contraire à l'austérité foncière de la littérature arménienne médiévale classique, qui se concentre sur l'écriture sainte et sur la liturgie. J'ai longtemps cru qu'en Arménie, la danse ne pouvait avoir d'autre office que de servir de repoussoir aux prédicateurs. L'exemple classique, c'est la danse de Salomé, qui ne déploie sa séduction diabolique devant son oncle Hérode Antipas que pour assouvir la vengeance de sa mère Hérodiade en obtenant la tête de Jean-Baptiste servie sur un plateau. Les exégètes arméniens crurent y reconnaître des êtres mythologiques, les sirènes ou un être mythologique, les sirènes, les ondines ou les nixes, qui usent de leur charme pour entraîner dans l'abîme, les imprudents qu'elles séduisent par les ondulations de leur buste et par les accents de leur voix. En Occident, l'horreur sacrée de la scène s'est diluée dans une sensualité glauque, fantastique ou profane chez les peintres comme Titien ou Gustave Moreau, dont j'ai présenté l'image, ou chez des écrivains comme Oscar Wilde ou des compositeurs comme Richard Strauss. Mais en Orient, à l'intérieur même du sacré, le cheminement de la danse bifurque et se dédouble. Oublions Salomé, maléfique et funeste évocation des pièges de la femme séductrice, qui est un thème évidemment biblique. Avec Marie, la nouvelle Ève, la danse devient un symbole mystique. Elle incarne la joie du corps libéré à la fin des temps, de la mort et du péché. Cette danse de la Mère de Dieu, que j'ai choisi de présenter ce soir, constitue le final d'un oratorio composé vers l'an 1000 pour la fête de l'Assomption par un grand saint arménien, Grégoire de Narek, docteur de l'Église. Je voudrais revenir à la précédente. Grégoire de Narek, docteur de l'Église, à la fois poète et mélode. Marie donne libre cours à son exultation, modulant tour à tour les traits de son visage, harmonisant les mouvements de son corps. Elle confère graduellement à sa danse la dimension cosmique du salut. En réalité, c'est la transposition d'une vision mystique, d'une expérience vécue, une vision mystique que Grégoire avait éprouvée dans son oratoire taillé à flanc de montagne près du monastère sur la rive sud du lac Devant,
située juste en face de l'île occupée par la magnifique église sculptée d'Artamar. On voit l'ensemble de cette île ici. Cette vision d'une Vierge dansante, célébrant son triomphe, peut surprendre notre sensibilité occidentale. Nous attendrions plutôt la pose hiératique de la femme de l'Apocalypse, enveloppée de soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Mais rappelons-nous simplement que l'Apocalypse de Jean, si populaire en Occident, est resté inconnu en Arménie pendant plus d'un millénaire. C'est simplement au second millénaire que les Arméniens commencent à connaître ce texte. Détachons-nous donc de notre mémoire occidentale. Pour comprendre adéquatement l'Arménie, il ne faut pas seulement prendre en compte son voisinage avec Byzance, il faut regarder vers l'Iran et vers l'Inde. Le monde indo-iranien est symétriquement encadré à l'ouest par l'Arménie et à l'est par le Cambodge. Il y a peut-être un rapport d'analogie entre les deux situations. Je veux dire que l'Arménie est pour l'Iran un petit peu ce que le Cambodge est pour l'Inde. Pour les jeunes danseuses indiennes, l'apprentissage commence par le contrôle des yeux et des expressions du regard. C'est justement le point de départ de notre texte. Ses sourcils délicats s'assemblaient en une voûte. Ses yeux s'ouvraient dans le matin. On parvient ainsi à régler le murmure rythmé du cœur, le souffle et la respiration. Puis l'attention se fixe sur les joues de grenade, mises en valeur par la taille gracieuse et droite, comme un laurier décoré de ses fleurs. Le mouvement se propage de haut en bas. D'abord, les bras souples se lient en forme d'arche. Ensuite, les épaules ondoient comme les vagues du lac. Puis, peu à peu, la musique intérieure de la danseuse devient audible sur les deux pétales de sa bouche. On distingue la rosée de ses lèvres et sa langue suave comme une lyre. Dès que la danse atteint sa plénitude, les boucles des cheveux se mettent à frémir, auréolant le visage d'une triple torsade. La splendeur du manteau et les pierres précieuses de la ceinture parachèvent la transfiguration. Le chant et la danse se changent en encensoir parfumé de benjoin, embrasé d'une ferveur divine. Le texte écrit est assez bref, une trentaine de vers. Mais il se trouve que nous connaissons la mélodie et l'exécution musicale est 8 fois plus longue que la simple lecture pour donner plus d'éclat aux nombreux mélismes constituant le final de l'oratorio. J'ai renoncé à lire le texte dans la langue de l'an 1000, qui est particulièrement difficile. Je vous lis une adaptation moderne du texte original. Savalvelen Achkeretsov Asvatsav Aravodva, excusez-moi. Savalvelen Achkeretsov Aravodva Tsovivera Tsitsarakit Inchpes Yergu Pailaknatsev Arekaknej Shorneneman Lusatnsuch Aigapatsi. Tapfumein Aidelitsvar, Dapnevarti
ou Nornenu Tsargatertej, Gerashida Kiranitz Sirtn Kakachum, Uzavarar Gensadusej, Gamar Kabat Stevergirk, Yerkumer Na Ahorjalouj Yevgergerun, Yev Yelevetchnej Yusumirar, Charvum Handart ou Djemumer Dignetegin. Je vous donne maintenant ma traduction de ce cantique. Chant prodigieux, chant qui ondule avec grâce. Tu es le lieu où se bâtit le bien. Mystère divin, mystère qui foisonne et foison d'innombrables parures. Cyprès contre cyprès, jarre plantée d'un bosquet de roseaux, sentier bordé d'ormeaux comme des doigts tendus. Tes sourcils délicats s'assemblent en une voûte, astre brillant à l'heure de midi. Ses yeux, comme la mer s'égaillant sur la mer, s'ouvraient dans le matin, semblables à deux soleils, luisants comme l'éclair. Un ray lumineux descendait de la fenêtre de l'aurore. Elle avait des joues de grenade, la taille droite comme un laurier décoré de ses fleurs. Son tronc s'irriguait jusqu'au cœur, du murmure rythmé d'un amour plein de sève. Ses bras souples se liaient en forme d'arche aux inflexions mélodieuses de son chant. Vague sur vague, déferlée, dans un lent mouvement, ondoyait ses épaules, entre les deux pétales de sa bouche, perlait la rosée de ses lèvres. Sa langue se mouvait, suave comme une lyre. Une fleur partageait ses tresses, touche écarlate dans l'ornement vivant de ses cheveux. La parure de ses innombrables boucles entourait son visage d'une triple torsade. Son sein rayonnait de clarté, chargé de roses rouges. Ses bras étaient de pourpre, un bouquet de violettes, tel l'encensoir parfumé de benjoin, et saisi d'une ardeur divine, sa voix retentissait harmonieusement. La splendeur magnifique de son manteau reflétait des couleurs dorées, d'écarlate et de pourpre, de gaze teinte à la cochenille. Sa ceinture, aux lueurs argentées, avait des franges d'or. Une voûte de pierres précieuses, rehaussée de saphirs, s'y pressait en un délicat assemblage. Quand son corps se mouvait dans l'éclat de ses perles, sous ses pas s'épanchaient des gouttes de lumière. Merci. Le corps et la poésie bouddhique à présent, grâce à Jean-Noël Robert, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont je précise qu'il a été élevé par les autorités suprêmes du Japon à la dignité de l'ordre du soleil levant à étoiles d'or et d'argent. Ça fait rêver, mais c'est dire aussi qu'il est un spécialiste éminent du Japon, de sa culture et de sa langue. J'ajoute par parenthèse qu'en matière de langue, visiblement, il n'a pas son pareil, car je crois savoir qu'il a un blog sous un pseudonyme où il écrit en latin. Voilà. Vous divulguez des secrets. J'ai pas dit le pseudonyme. Hein. Je vais donc vous parler du corps dans la poésie bouddhique japonaise. Et avant cela, il faut peut-être décrire un peu ce dont il s'agit. Et ce sont des poèmes très courts, donc j'en citerai, je crois, cinq ou six, mais vous verrez que ça n'épuisera pas la soirée. Donc la culture japonaise a vu la fusion de plusieurs traditions
en provenance du continent, sous leur forme chinoise, tout d'abord par l'intermédiaire de la péninsule coréenne, elle-même sinisée depuis le début de l'ère chrétienne au moins. Parmi ces traditions, celle qui s'enracina au plus profond de ce que nous appellerons par commodité la mentalité japonaise est sans aucun doute le bouddhisme. Un courant religieux né en Inde vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, j'espère qu'il n'y a personne pour me contredire parce que c'est très débattu, transmis en Chine à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, un peu plus tard peut-être, puis au Japon sous sa version chinoise à partir de la Corée au milieu du 6e siècle. Parallèlement à cette implantation du bouddhisme, se développa ce qu'il est convenu d'appeler le Shinto, souvent présenté comme la religion originelle du Japon, voire opposée au bouddhisme. En réalité, le Shinto évolua en symbiose avec le bouddhisme. Il est presque impossible de retrouver un système de pensée autochtone japonais antérieur à l'influence de cette pensée étrangère. En réalité, la religion japonaise depuis le 7e siècle, ou un peu plus tard, disons le 9e, jusqu'au bouleversement de la modernisation du 19e siècle, était ce que l'on a appelé le syncrétisme shinto-bouddhique, Shinbutsu, Konko, Shugo, où les bouddhas et les divinités japonaises, les kami, n'est-ce pas, qui sont célèbres par le mot kamikaze, les kami étaient dans une parfaite continuité ontologique, si je peux utiliser ce terme. Les bouddhas constituant une base originelle d'où émanaient les divinités japonaises qui étaient pour ainsi dire au contact immédiat de la population. Un trait fondamental de ce syncrétisme était que ce que l'on pourrait appeler les représentations philosophiques concernant le monde et les hommes provenaient pour l'essentiel de la pensée indienne, modifiée par son transfert dans la langue chinoise, qui fut aussi la langue du bouddhisme au Japon, un peu comme le latin pour l'Europe. Cela fait que la vision du corps au Japon est informée par la doctrine bouddhique. Qu'en est-il donc du corps dans le bouddhisme ? Comme on le sait, le corps, ou plutôt le composé physique et psychique ou mental qui constitue les êtres de ce monde, et plus particulièrement les humains, est le produit des actes antérieurs, ce que l'on appelle le karma en sanskrit. Dans notre existence actuelle, nous consumons le karma des existences antérieures et nous commettons les actes, parce que le plus souvent ils sont mauvais, qui conditionneront nos existences à venir, en premier lieu donc le corps qui sera notre lot à notre renaissance. Ces actes peuvent être bons, mauvais ou neutres, et la libération ultime est d'arriver à un état de perfection où nous ne produirons plus d'actes, plus de karma donc, nous délivrant ainsi du cycle interminable des morts et des renaissances. Si la langue savante écrite du bouddhisme japonais était le chinois classique, les doctrines bouddhiques se sont répandues grâce à toute une littérature narrative et de prédication en langue japonaise. Mais l'un des aspects les plus originaux a certainement été la poésie japonaise, le waka, né avec les dieux du Japon, qui a su exposer, ce sont les dieux qui ont créé le waka, n'est-ce pas, qui a su donc exposer dans une langue dépourvue le plus possible de tout vocabulaire chinois les doctrines les plus subtiles de la religion indienne. Parce qu'un peu comme en anglais, le vocabulaire abstrait japonais est très largement composé de mots chinois. Mais l'une des contraintes de cette poésie bouddhique, waka, était de ne pas utiliser de mots chinois. Ce qui fait que tous les mots abstraits devaient être transcrits dans un vocabulaire plus compréhensible, enfin, en principe. Donc, ces poèmes bouddhiques japonais sont le reflet de l'évolution du bouddhisme au Japon. Même si leur âge d'or a probablement été le XIIe siècle, ils n'ont cessé d'être cultivés par la suite et continuent de l'être. C'est à partir de ces poèmes que je vous propose quelques illustrations de la vision du corps japonais, dont vous verrez qu'en raison même de cette contrainte linguistique, elle va prendre des tournures originales qui n'existaient pas en chinois. Alors tout d'abord, un poème dont la valeur poétique n'est peut-être pas certaine, mais qui est intéressante, dans la mesure où c'est une description très concrète du développement physique du corps, qui se fonde donc sur des écritures indiennes. C'est un reflet en japonais d'un très vieux texte bouddhique indien, et qui combine en même temps le bouddhisme et une intention confucianiste, dont nous avons parlé déjà tout à l'heure avec Mme Bastier-Bruguière, pour la mère, n'est-ce pas ? Il y a un élément de piété filiale. C'est un texte attribué à un grand moine japonais, presque mythique, Gyōki, qui est mort en 749.
Alors, j'ai traduit par mui, en français, mui, M-U-I-D, n'est-ce pas, une vieille mesure de volume, un mot japonais qui traduit un mot chinois, qui traduit lui-même au sanskrit, ce qui veut dire que le volume exact que ça représente est un peu très problématique. Disons que c'est quelques centaines de litres, ce qui n'est pas mal pour ce que ça doit décrire, puisque c'est la quantité de lait absorbé par l'embryon puis l'enfant, le lait maternel, n'est-ce pas? Donc, je vous le dis en japonais. Momo sakani, yaso sakaso ete, tamaiteshi, chibusa no mukui, kyozo wangasuru. À 100 mui, ajoutez 80, c'est le lait reçu de ma mère, dont aujourd'hui, en juste retour, je voudrais lui rendre grâce. Donc voici la constitution du corps physique. Le mot le plus souvent utilisé dans ces poèmes pour désigner le corps est « mi ». Pas trop difficile à prononcer, beaucoup moins que le chinois. « Mi », mot très riche qui désigne non seulement le corps en japonais, mais aussi le statut social. Il est aussi homophone, ou il s'agit peut-être même du même mot à l'origine, d'un autre mot qui signifie le fruit de l'arbre. Ou le fruit de... Donc, on voit immédiatement le parti, une homophonie qui n'existe pas en chinois, n'est-ce pas, je vous le rappelle. On voit aussi ainsi immédiatement le parti qui peut être tiré de cette superposition de sens dans une doctrine où le corps, comme je viens de vous le dire, est conçu comme fruit de ses actes. Avec tout d'abord, un jeu de mots qui va être constamment repris au nom de cette poésie bouddhique, un espoir qui est donné d'emblée pour tous les êtres humains. Celui de devenir un jour Bouddha. Voici ce que dit un poème d'un moine du XIIIe siècle, Jien, qui est mort en 1225, et qui nous brosse un peu le tableau. Shōnyō zeno, kuchi no megumi zo, tanomoshiki hotoke no tane wa kono mi narikeri. Il en est ainsi. Ô grâce incorruptible, le germe d'éveillé, en qui est notre confiance, est bel et bien ce corps. Vous voyez, tané le grain, le germe, et mi, le fruit, le corps. Nous pouvons donc partir sur de bonnes bases. Le corps est le fruit d'un germe qui est en nous. Malgré cet espoir, notre condition humaine nous confronte chaque jour à la lente détérioration corporelle. Alors ce germe qui est en nous, c'est bien sûr la nature de Bouddha. La nature de Bouddha qui est en tout être vivant, spécialement les humains, et qui a vocation à être révélée. Mais évidemment, il faut passer par pas mal de tribulations pour en arriver là. Et donc, la condition humaine est très bien décrite dans ce poème de Fujiwara no Yoshitsune de la fin du XIIe siècle. Asagoto no kagami no ue ni, miru kage no munashiki karikeru, yo ni yadoru kana. Le reflet que je vois chaque matin en mon miroir, quel monde de vanité est donc sa demeure. Mais, ainsi que nous l'avons dit, nous sommes responsables de nos actes. Et voici un poème d'attribution un peu douteuse, donc je ne vous donne pas l'auteur. D'auteur. Il continue sur le même mode, n'est-ce pas ? Mukui adu mito wa shirazuya ukikoto no nogare no mamani yowo uramuran. Ne savez-vous point que ce corps est notre rétribution ? Puisque sa misère, fuir nous ne pouvons, devrons-nous haïr le monde? Nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous. Mais malgré tout, l'issue de la voie nous est assurée, ainsi que le dit encore J.N. Hotoke ni wa tsui ni naru beki minishi areba, nori no hana wo mo ware kiku toshite. Puisque nous sommes en un corps qui finira par réaliser l'état de Bouddha. La fleur de la loi aussi, nous l'aurons nous-mêmes entendu. C'est un poème très, très, très audacieux, n'est-ce pas, qui à partir d'une citation du Sutra du Lotus, le Sutra qui a été presque la Bible de la culture japonaise dans cette époque de l'âge d'or de Nara, n'est-ce pas, du 9e siècle à la fin du 12e siècle. Le Sutra du Lotus était lu de tout le monde, et comme tous les sutras, il commence par une phrase attribuée à un grand disciple de Bouddha qui est Ananda, qui dit « Ainsi l'ai-je entendu ». Et le,
qui garantit l'authenticité des paroles du Bouddha. Et dans ce poème, chacun étant appelé à devenir Bouddha, nous sommes tous dans l'état d'Ananda, et écoutant le Sutra du Lotus récité lors d'une cérémonie où ces poèmes étaient le plus souvent rédigés, n'est-ce pas, nous devenons nous-mêmes Ananda qui entendons la loi de Bouddha. Et comme Ananda lui-même a été s'est vu attribuer la prédiction selon laquelle il deviendrait Bouddha, nous sommes tous amenés à cette fin ultime. Et pour finir, puisqu'on m'a demandé de parler 10 minutes, et discipliné, je le fais. Et pour finir, ajoutons que cette promesse de salut ne s'adresse pas qu'aux corps humains, mais aussi à toutes les entités qui composent le monde phénoménal. Je vous donne d'abord le poème, encore un poème de J.N. avant de le commenter un tout petit peu. « Ada no hana ni kokoro o shimete nagamureba, hotoke no yado ni tomo no miyatsuko. » Si l'on contemple en fixant sa pensée sur la fleur éphémère, elle est comme nous servante au palais du Bouddha. Donc les humains sont le même statut que le même statut salvifique que les végétaux. Et dans ce poème, voici encore une avancée, je dirais, doctrinale japonaise qui va bien au-delà de ce qui est exposé en Chine, c'est-à-dire que non seulement ce germe de Bouddha est dans tous les êtres humains, il est dans tous les animaux qui ont vocation à devenir humains, mais il est aussi dans les plantes, les végétaux et les minéraux, si bien que le monde entier possède la nature de Bouddha et deviendra un jour Bouddha. Alors évidemment, ce n'est pas difficile dans une conception bouddhique du grand véhicule où le monde, l'univers entier n'est en réalité que la conscience du Bouddha suprême, n'est-ce pas, qui vit dans une dimension qui nous dépasse largement et dont nous sommes des émanations de plus en plus matérielles, c'est-à-dire phénoménales, à mesure que l'on descend dans le réel. Et de ce point de vue-là, donc, nous sommes tous de petites fleurs. Et je vous remercie. Nous allons rester encore un peu au pays du soleil levant avec un écrivain qui a signé il y a quelques années un roman sous le titre « Je suis un écrivain japonais » d'Annie Laferrière de l'Académie française. Japonais, mais pas seulement. Le premier pays d'un écrivain, dit-il, c'est sa bibliothèque. Et nous le savons bien, une bibliothèque regorge de traductions et elle est de tous les pays. Nous entrons dans la sienne. Bonsoir. J'imagine le Figaro publié demain, sauf Jean-Noël Robert, samedi soir érotique à l'Institut. Tandis que Libération plus brutale, du sexe à l'Académie. Je n'avais pas pensé à passer une soirée de ce genre. Je vais être en image. Je signale que la nuit a un corps aussi. Si l'on parle du corps, je vais rester dans la nuit et je vais rester dans l'image. Donc les images que vous verrez dans ce récit sont de l'auteur. Le narrateur est ce jeune poète de 16 ans qui traverse la nuit de Port-au-Prince en rencontrant des personnages nés de sa rêverie. La nuit est là, et on la voit. Le premier que rencontre ce jeune poète, c'est Duvivier de la Marotière. Le premier poème créole fut écrit par un créole, c'est-à-dire un blanc né dans la colonie. Duvivier de la Marotière l'a écrit pour une négresse frivole, Lisette, en 1757. Il a été mis en musique par Jean-Jacques Rousseau. Ce poème raconte l'histoire d'une rupture entre ce blanc
et cette femme qui était alors une esclave. Elle le quitte pour aller chercher la vie à Port-au-Prince. C'est émouvant de savoir que le premier poème de la littérature créole est une lamentation amoureuse. Lisette quittait la plaine, moins pédi bonnet moué, zié moins semblé fontaine, dépi moins pas miré troué. Le jour, quand moins coupé canne, moins changé zamou moué. La nuit, quand moins dans cabane, d'andromie moins quimbé troué. Il raconte sa tristesse. Il dit que la nuit, quand il est dans sa maison, sa cabane, il la prend dans ses bras, dans dromie moins quimbé troué. Jusque dans mon sommeil, je te garde dans mes bras. Depuis mon perdu Lisette, mon pas soucié Kalinda, mon pas quitté Bram Bram sonnette, mon pas bat Bamboula. Quand moi rencontré l'autre négresse, moi pas gagné zier pour lui. Moi pas souchié travail pièce. Toute qui chose moi mouri. Il raconte qu'il ne chante plus, qu'il ne danse plus, qu'il ne travaille plus et qu'il ne voit surtout pas d'autres femmes. Il va jusqu'à dire qu'il a perdu toute virilité. Toute qui chose moins mourit, toute ma chose est morte. Lisette, moins tant de nouvelles, tôt compté bientôt tourné, vini donc toujours fidèle, miré pas bon passé tendé. N'a pas tardé davantage, tôt fait moins assez chagrin. Moins temps comme Zozo dans cage, quand yo li mouri fin. C'est la dernière supplique qui rappelle Mathilde est revenue de Brel. Il a peur de cette rencontre car il souffre toujours. Et pour finir, il a l'impression d'être un oiseau qu'on laisse mourir de faim dans sa cage. La nuit pose doucement ses fesses sur la ville. Le narrateur rencontre alors Basho, poète japonais du XVIIe siècle, auteur des plus beaux haïkus de la littérature universelle, enfin, japonaise. Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas, cette amitié avec Basho. Je ne m'étendrai pas non plus sur cette étrange relation avec un poète mort depuis si longtemps déjà. Quelques haïkus du poète Basho. Toute la nuit, sur la ronde lune, à faire le tour de l'étang. Sur une branche nue, un corbeau est descendu le soir d'automne. Rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est près de sa fin. Le narrateur marche dans la nuit aux senteurs de jasmin et de ylang-ylang. Il croise Li Po, le grand poète chinois, dans la splendeur d'une nuit port-au-princienne. Le narrateur dit alors, les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit alors qu'ils partent à la recherche des lecteurs endormis. C'est ainsi qu'on se réveille le matin avec le goût d'un récit sur les lèvres. Je ne sais plus quand les lettres de l'alphabet se sont infiltrées en moi pour faire de ma vie celle d'un lettré gorgé d'encre avec un filet de sang. Personne ne me croit quand je dis que j'ai 16 ans et que je suis poète. Mon père, exilé depuis si longtemps que je ne connais pas son visage, n'a laissé que des livres de poésie. Il y a même ce poète chinois Li Po ou Li Bai. Le narrateur suit Li Po
en murmurant ces vers qu'il aime tant. Levant la tête, je contemple la lune brillante. Courbant la tête, je pense à mon pays natal. Le narrateur découvre l'Hippo en compagnie du poète haïtien Magloire Saint-Aude. Tous deux aiment vagabonder la nuit, boire jusqu'à plus soif et se perdre dans des conversations sans fin avec des prostituées au rire sec. C'était une nuit gorgée de jazz et de lamentation. Cet homme, Magloire Saint-Aude, qui aimait le silence, s'était retrouvé dans une ville bavarde où il y a toujours quelqu'un en train de vous observer. Il a dû essuyer aussi la morgue des bourgeois des beaux quartiers, lui qui aimait tant les guinguettes des quartiers populaires où de jeunes prostituées dansent au son de l'harmonica du voyou. Rien, le poète lent, dolent, pour mourir à Guadalajara. Ce poème Dimanche a tant impressionné Breton lors de son séjour en Haïti en 1945. À l'horizon des fièvres, pour la voix au bal du poète, le poète chant lugubre au rire de chat, le cœur léché, fêlé par les veilles, dite aux litanies délacées et dites, le lieu, le buste au gré de mon reflet, cloué incomplet aux éventails de ma douce mort. Torpeur dans mon sang déganté sans amour, après-midi dénué à tire d'aile, je descends, indécis, sans indice, feutré, roité, loué, au ras d'épaule. Ce poète Magloire Saint-Aude, il était de la grande bourgeoisie de Port-au-Prince. Un jour, il a décidé de descendre dans les bas-fonds et d'y rester jusqu'à la fin. La nuit aussi descend doucement dans mon cœur et me transforme en grand-duc d'Amérique. Le narrateur croise enfin Émile Roumer. Roumer est né à Jérémie, dans le sud d'Haïti en 1903. Dans son poème « Marabout de mon cœur », devenu un classique de la littérature haïtienne, le poète confond désir, nourriture et corps de la femme. C'est écrit dans un créole matiné dans du français et souvent mis en musique. « Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu m'es plus savoureux que crabe en aubergine. Tu es un afiba dedans mon calalou. Le domboy de mon poids monté de zerbe à clous. Tu es le bœuf salé dans mon cœur et la croine, la cassant au sirop qui coule dans ma gargane. Tu es un plat fumant, djon-djon avec du riz, des acras croustillants et des tasards bien frits. Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles. Ta fesse est un bumba chargé de victuailles. Bon appétit. » Et voilà ce jeune narrateur de 16 ans, poète à Port-au-Prince, qui s'enfonce dans la nuit vers l'aube. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie de notre soirée. Nous allons reprendre d'ici une quinzaine de minutes. Et juste un petit mot, d'ailleurs, pour vous préciser que notre librairie sur le parvis est ouverte et que vous pouvez y trouver les ouvrages qui ont été lus ce soir. Voilà, à tout à l'heure.
derrière l'écran de la salle. Tu auras le texte ici si jamais tu l'oublies. Oui, le texte là-bas. Napoléon est derrière toi, donc si jamais. Ah, c'est Napoléon ? Napoléon ? Oui, c'est Napoléon. Je vois pas. Ah oui. Ah, on va faire un essai. On va faire un petit essai. Voilà. Ah non, mais t'es pas obligé de te mettre à côté du micro, le micro est très bien. Tu peux rester à cette distance. Hein. Vas-y, vas-y. Ah, oula, oula, c'est bizarre. Essaye, juste un petit mot, une petite phrase. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Et nous, on va régler au fur et à mesure. D'accord. C'est lui qui va s'occuper de mettre le son au bon niveau. Voilà. D'accord. Ça résonne. Voilà. Mais il ne faut pas regarder les micros, il faut regarder le fond de la salle. D'accord. On va voir un regard très lointain. D'accord. Est-ce qu'il faut que je bouge la tête du coup ou pas ? Il faut bouger la tête et pas le corps. Il faut le corps trop mobile. Il y a deux micros, donc les micros à gauche, quand on parle à gauche ou à droite, on va prendre, donc il n'y a aucun problème. Для жаби я можу так робити і отак оце робити. Non, par contre, tu peux faire comme ça. Mais pas trop vite. D'accord. Mais du coup, pour les deux grenouilles, j'ai parlé. Une main comme ça et une main comme ça. Hop. Voilà. D'accord. D'accord. Comme ça, comme ça. Comme les conférenciers, comme à l'Assemblée nationale. D'accord. D'accord. Ça va aller ? Ça va aller. Normalement, oui. Il y aura un petit verre d'eau, si jamais la gorge est sèche. Vous prenez un verre d'eau, vous prenez une gorgée d'eau, vous gorgée respirez, d'eau. Vous prenez pas de temps et tout va bien. D'accord. Après chaque strophe, respirez, d'accord ? De face, peut-être ? D'accord. J'attends où ? J'attends où ? Ah, mais c'est pas maintenant encore. Hein. Donc, tu t'assieds avec ton père. Ah, d'accord.
Bien. Nous allons reprendre pour la seconde partie de notre soirée. Oui. Alors, chorégraphe, danseuse, calligraphe et poète, les registres de Caroline Carlson, membre de l'Académie des Beaux-Arts, sont multiples, mais elle préfère la définition plus singulière de poétesse visuelle, celle qui lie le geste et le mot. Elle va donc donner non pas une lecture, mais une interprétation de quelques-uns de ses poèmes qui seront lus en français par une autre artiste de l'Académie des Beaux-Arts, la violoniste et compositeur Edith Canaccisi, dont l'œuvre tout à fait inclassable entraîne vraiment aux confins de l'imaginaire. Voilà, je leur laisse la place. If I had wings to land on your heart, if I had wings to rest in your soul, if I had wings to change your mind, if I had wings to carry you home, if I had wings to fly alone, but I have not wings. I have a body that is heavy. I have a heart that beats. I have a mind that skips. I have a soul in motion, growing wings in the wind. Si j'avais des ailes pour atterrir sur ton cœur, si j'avais des ailes pour me reposer dans ton âme, si j'avais des ailes pour te faire changer d'avis, si j'avais des ailes pour t'emporter à la maison, si j'avais des ailes pour m'envoler seule au loin, mais je n'ai pas d'ailes. J'ai un corps qui est lourd. J'ai un cœur qui bat. J'ai un esprit qui s'enrage. J'ai une âme qui vibre. Pousse mes ailes au vent. And I love the distance until I became it. And I grew to love proximity. And I remember Mom, so much pain in her hands. Et j'ai aimé la distance au point de devenir la distance même. Et j'ai fini par aimer la proximité. Et je me souviens de maman, tant de douleur dans ses mains. Chagrin for those plundered by catastrophes, doused in oblivion, for you whom I did not know. I dance an instant of inspiration to carry you back to the other side of darkness. Perhaps more light than this temporal breath. That I could only count your numbers lost. Never touched your face, kissed your hands, or washed your feet. Leaves shine, shimmer in the sunlight, frames a window where I write to you. Mm-hmm.
chagrin pour ceux-là, dépouillés par les catastrophes, ceux noyés dans l'oubli. Pour vous que je n'ai pas connu, je danserai. Un instant inspiré. Pour vous apporter de l'autre côté de la nuit, plus de lumière peut-être que ce souffle mortel. Je n'ai jamais su que vous dénombrez multitudes perdues. Je n'ai jamais touché votre visage ou baisé vos mains ou lavé vos pieds. Les feuilles brillent, scintillent dans le soleil. Le cadre est une fenêtre sur laquelle je vous écris. Behind every face, there is a silent keeper. I forgot the order. Picked up the newspaper, and I said, what's here for me? The world's down under, so maybe I better get on. Everybody's gonna stand up for something. Everyone's gotta stand up for someone. Not to grieve, for you shall be saved by yourself. By yourself. J'ai pris le journal et j'ai dit, quoi de neuf pour moi là-dedans? Le monde est sans dessus-dessous. Il vaut mieux sans doute faire avec. Nous avons tous quelque chose à défendre. Nous avons tous quelqu'un à défendre. Inutile de te lamenter, car tu ne trouveras de salut qu'en toi-même. Behind every face, there is a silent keeper, saluting himself. Derrière chaque visage, un gardien du silence se salue. However nostalgic and nostalgic your memory does to me, however longing I wish you pressed to my breast, however fate whirls us down the chutes of old, new, and worn, however far you lay your head from mine, however love extends to the other, however distant we remain each to the other, as a flower is to the earth, inseparable and blooming. Qu'importe la nostalgie où ton souvenir me tient, qu'importe le désir que j'ai de te presser sur ma poitrine. Qu'importe le destin qui nous jette dans le tourbillon d'un nouveau, vieux et usé. Qu'importe que ta tête repose si loin de la mienne. Qu'importe la distance qui nous sépare, nous restons l'un à l'autre. Une fleur s'épanouit, inséparable de la terre.
blind angel. I see the earth, but not with these eyes. I see the stones, but not with these eyes. I see the earth, but not with these eyes. I see with these eyes the unseen, becoming the inner sight. It is with this eye that I touch your soul. L'ange aveuglé. Je vois les pierres, mais pas de ses yeux. Je vois les mers, mais pas de ses yeux. Je vois la terre, mais pas de ses yeux. Je vois avec ses yeux l'invisible devenir lumière intérieure. C'est avec ce regard que je touche votre âme. I know who you are, but if I defined you, you disappear. Je sais qui tu es, mais si je te définis, tu disparais. Existence. A spontaneous theatrical event where each one has their own role to play, interact in their own time-space. Framework and full freedom. There will be no rehearsal. There will be observers, some near, others far, occurrence of one time only. You may change themes on your directed course if necessary. You will be the writer of this event, as well as creating the props, scenery, music, lights, costumes. You will be the producer. Producer, you will. You will play all the parts of the entire production. Magician, comic, the killer, the killed. The beautiful, the mysterious, the challenge. All myriad forms of emotion and mine works, but will be of your own creation. The end most arduous to imagine. Bon voyage. There will be no rehearsal. Existence. Événement théâtral spontané où chacun doit jouer son propre rôle. Interagir dans son propre espace-temps. Quant à l'intrigue, entière liberté. Il n'y aura pas de répétition. Il y aura des spectateurs, ceux-ci proches, ceux-là lointains. Ce qui advient n'advient qu'une fois. Vous pouvez, si nécessaire, varier les thèmes, mais sur le chemin tracé, vous serez l'auteur de cet événement. Vous serez aussi bien le producteur que le créateur des accessoires, du décor, de la musique, des lumières, des costumes. Vous jouerez tous les rôles, du début à la fin du spectacle,
magicien, comique, tueur, la victime, le beau gosse, l'énigmatique, le défi. À vous, les avatars infinis de l'émotion et de la pensée. Le plus ardu, imaginez la fin. Bon voyage. Il n'y aura pas de répétition. Merci. Thank you, dear. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Bien qu'il soit un fan d'aviation, il n'a pas trouvé de moyens suffisamment rapides pour être parmi nous ce soir. Mais il a par conséquent accepté de tourner une vidéo et c'est comme ça que nous allons le regarder maintenant. Haïm Korsia, grand rabbin de France, est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Sur le ton alerte qui est le sien, il dit qu'il lit tout le temps, qu'il aime Bob Moran et Aramis et qu'aucun classique ne lui est jamais tombé des mains. Mais sa longue fréquentation des textes bibliques l'ont conduit ce soir vers un texte qu'on ne se lassera vraiment jamais d'entendre. Il est un livre dans la Bible qui est tout à fait particulier, étonnant. C'est le Cantique des Cantiques, en hébreu Shir HaShirim, le chant des chants. Il est tout à fait particulier parce qu'il y a un long débat dans le traité Megillah du Talmud qui débat du canon biblique. Qu'est-ce qui rentre dans le canon biblique? Et les rabbins discutent, tel livre rentre, tel livre ne rentre pas. Par exemple, le livre des Maccabées, bien qu'il raconte une histoire qui nous sert de support à une fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Hanouka, la fête des Lumières, n'entre pas dans le canon biblique parce qu'il ne répond pas aux critères qui sont doubles pour maintenant et pour les siècles des siècles, pour les générations. Et puis, il y a un débat assez étonnant sur le Cantique des Cantiques. Beaucoup de rabbins considèrent que ce serait honteux que le Cantique des Cantiques figure dans le canon biblique. Pourquoi? Parce qu'il symbolise une histoire assez triviale d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et puis, on parle du corps, on parle des saints, on parle... Les saints sont comme la vallée de Galade, où vont les biches. C'est quelque chose qui paraît presque érotique. Et un rabbin, Rabbi Akiba, dit « Si chaque livre de la Bible est saint, alors le Cantique des Cantiques, il est en hébreu Kodesh, Kodashim, saint parmi les saints. » C'est le même mot que nous employons pour le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit où le grand prêtre ne pouvait entrer dans le temple qu'une fois par an. Le Saint des Saints, Kodesh, Kodashim. Et le Cantique des Cantiques est accepté, évidemment, par tout le monde dans le canon biblique, parce qu'il porte cette sainteté. Mais cette sainteté repose évidemment sur le rapport entre un homme et sa bien-aimée, une femme et son bien-aimé, avec ce verset lumineux, verset 3 du chapitre 6, qui dit « Ani ledodi vedodi li, moi je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Cette sorte d'union des corps qui symbolise l'union spirituelle entre Dieu et son peuple, entre deux personnes qui s'aiment, entre le présent et le futur, entre le passé et le futur, ou comme l'aurait dit Victor Hugo, de manière tellement merveilleuse, le futur est une porte dont le passé est la clé. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment ce rapport du corps dépasse évidemment ce qu'est le corps pour toucher l'histoire et l'espérance du peuple juif. Alors j'ai choisi un passage, qu'il fallait parler du corps. Passage du chapitre 8, verset 8, comme ça c'est pas compliqué à se rappeler. Chapitre 8, verset 8. En hébreu, ça donne ça avec la cantillation habituelle du Cantique des Cantiques. Achot la nu ketana, veshadaim en la, mana sela achotenu bayom, sheidu barba imcho mahi, nivne alea tirat kasef,
Vim delet hi natsura lea luach arez. Ani choma veshadai kamigdalotaz haiti benav kemotset shalom. Et en traduction? En traduction, on a pris l'édition de la Dorme, ici à la bibliothèque de l'Institut. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous construirons sur elle des créneaux d'argent. Et si elle est une porte, nous appliquerons sur elle une tablette de cèdre. J'étais une muraille, mes seins étaient comme des tours, et ainsi je fus à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix. Et le verset continue. Je ne l'ai pas lu en hébreu, mais le voici en français. Salomon avait une vigne à Baal Hamon. Il a confié la vigne à des gardiens et chacun, pour les fruits, lui a porté 1000 cycles. Ma vigne, à moi, elle est pour moi. Les 1000 cycles sont pour toi, Salomon, et 200 pour les gardiens des fruits. Pourquoi le rapport au corps? Tout simplement parce que, symboliquement, il ne s'agit pas de la poitrine, les seins de cette petite sœur. Ce sont les deux temples. Toute la Bible est fondée sur cette espérance des deux temples. Le premier, le temple de Salomon, qui sera détruit par Nabuchodonosor en -586. Puis, 70 ans après, avec Ezra et Néhémie, le retour de Babylonie et la construction du second temple, qui sera détruit en l'an 68 de notre ère. Deux temples. Deux temples comme les deux saints, deux temples qui sont les temples nourriciers du monde, de la terre, qui construisent toute l'espérance. Les deux temples sur lesquels, encore une fois, sur le corps, on parle par exemple des retrouvailles entre Joseph et Benjamin. Lorsque Joseph se fait reconnaître de ses frères, « Je suis Joseph, votre frère », et il l'avait pourtant vendu en tant qu'esclave. Mais il se fait reconnaître et il se met à pleurer, et le verset dit « sur les coups de Benjamin ». Pourquoi les coups et pas le coup? Sur les deux temples, le premier et le second, qui seront sur l'espace de Benjamin. Et cette idée formidable que le corps symbolise le temple, c'est une façon de nous dire que le rassemblement de tous nos corps, finalement, crée une forme de troisième temple, un temple qui est l'unité du peuple. Parce que si le temple pouvait assurer la nourriture, la subsistance du monde, comme les seins d'une femme assurent la subsistance à ses enfants, eh bien, la façon de reconstituer ce temple, de nous mettre en réseau, d'être interdépendants les uns des autres, faire de notre corps l'objet du miracle, quand on tend la main à quelqu'un, c'est notre corps qui crée le lien entre le spirituel et ce qu'est l'autre, c'est-à-dire quelqu'un d'isolé, eh bien, si on arrive à créer ce lien, ce sont nos corps qui sont les objets du miracle, le miracle quotidien de la vie. Voilà ce que nous dit le Cantique des Cantiques. Le chapitre juste avant, le chapitre 7 du Cantique des Cantiques. Laissez-moi peut-être vous le donner d'abord en français, puis je conclurai en hébreu. C'est le verset 7, chapitre 7, verset 7. Que tu es belle et que tu es gracieuse, amour dans tes délices. Voici que ta taille est semblable à un palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je grimperai au palmier, je saisirai ses régimes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne et l'odeur de ta narine comme celle des pommes, et ton palais comme le bon vin qui coule à bon droit pour le bien-aimé et qui glisse sur les lèvres des dormeurs. Moi, je suis à mon bien-aimé et c'est vers moi que monte son désir. Allons, mon bien-aimé, sortons à la campagne, passons les nuits dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si sa vigne a fleuri, si le bouton s'est ouvert, si les graniers ont des fleurs. Et là, je te donnerai mes caresses. En hébreu. Zot komater damtal et tamar. Ma yafit ou manahamt. Ava batanugim. Zot komater damtal et tamar. Veshadayir. Lash kolot amarti. Ele betamar. O chaza besantinav. Veyona shadayir. Keshkelot agefen. Vereach aper. Katapurim. Vechiker. Keyenatov, Oler, les Dodi, les Mesharim Dovev, Sifte Shenim, Ani, les Dodi, Veralai, Teshukato, Lecha Dodi, Netea Sadenalina, Bakefarim, Nashkima, la Keramim, Nir Impacha Gefen, Pitara Semadar, Enetsuarem, Nimcham, Tenet Dodai, Lach.
et pour les commentaires. Allez voir, allez lire, découvrez comment le Cantique des Cantiques en hébreu ou en français nous parle à chacun et à chacune d'entre nous, parce que c'est une histoire de vie, une histoire humaine, une histoire d'espérance, une histoire divine. Il est vraiment au cœur du sujet de ce soir. Le corps, tout d'abord. Corps monumental, corps totem, corps paysage, corps vaisseau fantôme. Toutes ces expressions ont évoqué l'œuvre sculptée de Jean Anguera, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Les livres ensuite, car il a œuvré à la réalisation de livres peints aux côtés de très nombreux poètes. Le passage d'une langue à l'autre, enfin. Son ascendance espagnole lui a donné sa langue en partage, mais reste qu'il est le seul à pouvoir dire son choix pour ce soir. José Ángel Valente. José Ángel Valente, poète espagnol, mort en l'an 2000, à 71 ans. Ses derniers poèmes ont été réunis dans un recueil qui s'intitule « L'éclat ». Pour répondre à l'angoisse d'être et de disparaître, le poète tente d'aiguiser la conscience de l'instant comme un dernier rempart contre le néant. Extinction del vacío en las estancias del amanecer. No puedo incorporar mi cuerpo en ti. La voz desciende muda con los ríos hacia el costado oscuro de la ausencia. Dans la demeure du matin, l'étendue du vide. Corps, je ne peux me fondre en toi. La voix descend muette avec les fleuves vers le flanc obscur de l'absence. En el líquido fondo de tus ojos, tu cuerpo salta el agua como un venado transparente. Dans la liquide profondeur de tes yeux, ton corps saute au-dessus de l'eau, ainsi qu'un transparent chevreuil. Este mi cuerpo, todo quebrantado, andado por pedregal y monte y llano seco, ahora se levanta y corre como niño incendiado. En la mañana salta a los fuertes y fronteras este cuerpo mío de sombras en la súbita luz. Ce corps, mon corps, tout brisé, traîné par mon pierre et plaine sèche, se lève maintenant et court comme un enfant de feu dans le matin, franchi fort et frontière. Ce corps, mon corps, d'ombre dans la brusque lumière. En algún pliegue de ti, estaba cuerpo, la muerte ritual vestida
como niña de mañana cantara. Quelque part, dans un de tes plis, corps, il y avait la mort rituelle, vêtue comme une enfant du matin, mélodieux. El pensamiento melancólico se tiende cuerpo a tus orillas, bajo el temblor del párpado, el delgado fluir de las arterias, la duración nocturna del latido, la luminosa latitud del vientre, a tu costado cuerpo, a tus orillas, como animal que vuelve a sus orígenes. Mélancolique, la pensée s'étend corps sur tes rives, sous le frémissement des paupières, le léger flux des artères, la durée nocturne du battement, le lumineux espace du ventre. À ton côté, corps, sur tes rives, tel l'animal qui revient à ses origines. Amanecer. La rama tiende su delgado perfil a las ventanas cuerpo de tus ojos. Pájaros, párpados, se posa apenas la pupilla en la esborazada luz. Adviene, advienes, cuerpo, el día. ¿Podría el día detenerse en la desnuda rama? Sus ser solo el despertar. Excusez-moi. Aube. La branche étire son mince profil aux fenêtres corps de tes yeux. Oiseau. Paupière. La pupille se pose à peine sur la lumière naissante. Le jour, corps, advient. Tu adviens. Le jour pourrait s'arrêter sur la branche nue. Ne restait que l'éveil. Asciendes como poderoso animal por la pendiente húmeda del aire donde me engendras cuerpo en tu latido concavo. Tu t'élèves comme un puissant animal sur la pente humide de l'air où tu m'engendres corps en ta concavité battante. Venias, ave, corazón de vuelo, venias por los líquidos más altos donde duermen la luz y las salivas en la penumbra azul de tu garganta. Tu venais, oiseau, cœur, dans ton vol, tu venais par les liquides les plus hauts où dorment la lumière et les salives dans la pénombre bleue de ta gorge. Que sabes, cuerpo, tú, de mí, que así me miras en esta tarde melancólica? Me escrutas, piensas, mueves la cabeza, donde insólito dura el aire de aquella muestra juventud. Y ahora que la navegación se anuncia larga y nada parecería haber que no hubiéramos muerto, desnudo cuerpo, dime, ¿qué sabes tú de mí que así me miras en la borrada orilla oscura de este mar? Corps, que sais-tu de moi pour ainsi me regarder dans la mélancolie du soir? Tu me scrutes, tu penses, bouge la tête ou perdure insolite l'air de ce qui fut notre jeunesse. Et maintenant, que la traversée s'annonce longue
et qu'il n'est rien, semblerait-il, à quoi nous ne fussions morts, corps nus. Dis-moi, que sais-tu de moi pour ainsi me regarder au bord obscur et effacé de cette mer ? La aparición del pájaro que vuela y vuelve y que se posa sobre tu pecho y te reduce a grano, a grumo, a gota cereal, el pájaro que vuela dentro de ti, mientras te vas haciendo de sola transparencias, de sola luz, de tu sola materia, cuerpo, bebido por el pájaro. L'apparition de l'oiseau qui vole revient et qui se pose sur ta poitrine et se réduit à un grain, un grumeau, une goutte céréale. L'oiseau qui vole au-dedans de toi, tandis que peu à peu, tu deviens pure transparence, pure lumière, ta pure matière, corps, bu par l'oiseau. Voilà, ce sont les derniers poèmes qu'il a écrits avant de mourir. J'avais envie de lire ces poèmes pour saluer l'amitié que j'éprouve pour un ami poète qui s'appelle Jean Bascos et qui malheureusement a dû partir. Je le regrette, j'aurais aimé qu'il soit là pour les entendre. Voilà, merci beaucoup. La Grèce antique à présent, cette civilisation si constitutive de notre histoire et de notre culture, inlassablement revisitée, tant il est vrai que chaque époque y trouve un écho à ses interrogations et à ses préoccupations. C'est le domaine de Laurent Pernot, helléniste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Les Grecs anciens, avaient un culte pour le corps. Ce n'est pas un hasard s'ils ont inventé les Jeux olympiques. Ils goûtaient la beauté des corps, corps féminin, corps masculin, inclusivement, et cette beauté éclate dans leurs statues. Les statues grecques représentent le plus souvent des dieux et des déesses. La beauté des corps avait pour les Grecs quelque chose de surhumain. Il faut garder tout cela à l'esprit pour bien comprendre le passage de Platon qui va être lu. L'œuvre relate un banquet dans lequel les convives ont choisi pour thème de conversation l'éloge de l'amour. À la fin, une prêtresse nommée Diotime, personnage probablement fictif, intervient pour donner la juste vision du sujet. Elle explique, comme vous allez l'entendre, que l'amour est une émotion troublante et une force de créativité, et qu'il faut s'appuyer sur cette force pour essayer de s'élever moralement, spirituellement, de l'amour des beaux corps à l'amour des belles âmes, et de la beauté des âmes à la beauté en soi. Il ne s'agit pas de nier l'amour physique, mais au contraire de l'assumer pour le transcender en faisant la voie d'accès à la connaissance et à la sagesse. Vous remarquerez l'idée de fécondation qui apparaît à chacune des étapes. L'amour des corps a pour effet de produire de beaux enfants. De même, l'amour des âmes enfante ce que Platon appelle de beaux discours, c'est-à-dire qu'il a une valeur éducative et qu'il produit des idées et des raisonnements justes. Ce texte a 2400 ans et il est toujours actuel. Dans son souci
de prendre la nature humaine avec pragmatisme pour y introduire de la morale, de l'élévation, un peu d'idéalisme. Je ne lirai pas le texte en grec parce que la prononciation du grec ancien n'est pas connue de manière sûre et précise malgré les efforts des savants. Et la prononciation en usage dans l'université française est très artificielle. Mais je dirai les mots grecs sur lesquels s'appuie la démonstration de la prêtresse Diotime, les mots soma, le corps, psyché, l'âme, kalos, la beauté, eros, l'amour, logos, le discours. La traduction que vous allez entendre est celle du philosophe Victor Cousin, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, traduction de référence qui remonte au XIXe siècle et que j'ai un peu retouchée pour la moderniser par endroits. Laissons maintenant la parole à Platon. Je ne reprendrai pas la parole après la lecture de l'extrait parce que c'est un texte qui a une puissance rhétorique interne qui prend le lecteur comme par la main et qui ne le lâche plus jusqu'à ce qu'il ait regardé un peu au-dessus de la gangue. C'est Diotime qui parle et elle s'adresse à Socrate. Tâche de me suivre du mieux qu'il te sera possible. Celui qui veut s'y prendre comme il convient doit, dès son jeune âge, commencer par rechercher les beaux corps. D'abord, s'il est bien dirigé, il doit n'en aimer qu'un seul, et là concevoir et enfanter de beaux discours. Ensuite, il doit reconnaître que la beauté qui réside dans un corps est sœur de la beauté qui réside dans les autres. Et s'il est juste de rechercher ce qui est beau en général, notre homme serait bien peu sensé de ne point envisager la beauté de tous les corps comme une seule et même chose. Une fois pénétré de cette pensée, il doit faire profession d'aimer tous les beaux corps et de dépouiller toute passion exclusive qu'il doit dédaigner et regarder comme une petitesse. Après cela, il doit considérer la beauté de l'âme comme bien plus relevée que celle du corps. De sorte qu'une âme belle, même dans un corps médiocrement attrayant, suffise pour attirer son amour et ses soins et pour qu'il se plaise à y enfanter les discours qui sont le plus propres à rendre la jeunesse meilleure. Par là, il sera amené à considérer le beau dans les actions des hommes et dans les lois, et à voir que la beauté morale est partout de la même nature. Alors, il apprendra à regarder la beauté physique comme peu de choses. De la sphère de l'action, notre homme passe à celle de l'intelligence et contemple la beauté des sciences. Ainsi arrivé à une vue plus étendue de la beauté, libre de l'esclavage et des étroites pensées de qui aime servilement la beauté de tel garçon, de telle personne ou de telle action particulière, lancé sur l'océan de la beauté tout entier à ce spectacle, il enfante avec une inépuisable fécondité les pensées et les discours les plus magnifiques et les plus sublimes de la philosophie. Jusqu'à ce que, grandi et affermi dans ces régions supérieures, ils n'aperçoivent plus qu'une science unique, celle du beau, dont il me reste à parler. Donne-moi, je te prie, Socrate, toute l'attention dont tu es capable. Celui qui, dans les mystères de l'amour, s'est avancé jusqu'au point où nous en sommes, par une contemplation progressive et bien conduite, parvenu au dernier degré de l'initiation, verra tout à coup apparaître à ses regards une beauté merveilleuse, celle, au Socrate, qui était le but de tous ses efforts précédents, une beauté éternelle, non engendrée et non périssable, qui ne souffre ni accroissement ni diminution,
qui n'est point belle dans telle partie et laide dans telle autre, belle en un temps, laide en un autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle pour ceci, laide pour cela. Beauté qui ne se présentera pas comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science. Beauté qui ne réside dans aucun être extérieur, par exemple dans un être vivant, ou sur terre, ou dans le ciel, ou ailleurs. Non, une beauté qui, au contraire, est absolument identique et invariable par elle-même, et de laquelle participent toutes les belles choses. Quand on s'est élevé, grâce à l'amour bien compris des jeunes gens, en direction de la beauté parfaite, et que l'on commence à l'entrevoir, on n'est pas loin du but de l'amour. En effet, le vrai chemin de l'amour, qu'on l'ait trouvé soi-même ou qu'on y soit guidé par un autre, c'est de commencer par les beautés d'ici-bas, et les yeux attachés sur la beauté suprême, de s'élever sans cesse, en passant pour ainsi dire par tous les degrés de l'échelle, d'un seul beau corps à deux, de deux à tous, des beaux corps aux belles actions, des belles actions aux belles sciences, pour aboutir à la connaissance par excellence, qui n'a d'autre objet que le beau lui-même, et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. « Oh, mon cher Socrate, continua l'étrangère de Mantinée, si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, c'est en ce moment-là où l'on contemple la beauté en soi. Auprès d'un tel spectacle, que valent les bijoux et la mode? Que valent les beaux garçons et les beaux jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui et dont la contemplation et le commerce ont tant de charme pour toi et pour beaucoup d'autres ? Que vous consentiriez à vous passer de manger et de boire pour avoir le plaisir de les fréquenter. Songe quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau en lui-même, simple, pur et sans mélange. Au lieu d'un corps chargé de chairs humaines, de couleurs et de tous les vains agréments condamnés à périr, voir face à face, sous sa forme unique, la beauté divine. Crois-tu qu'il aurait lieu de se plaindre, celui qui, dirigeant ses regards sur un tel objet, s'attacherait à sa contemplation et à son commerce? En contemplant la beauté éternelle, il pourra parvenir à la vertu et à la vérité. Il sera chéri des dieux. Il deviendra immortel. Merci. Marc Lambron, de l'Académie française, écrivain, critique littéraire, haut fonctionnaire, dont chacun s'accorde à dire que ses intérêts sont étonnamment divers, a fait graver sur son épée la devise en espagnol, une devise que je vous donne en français parce que j'ai peur de l'abîmer. Personne ne sait qui nous sommes. Dès lors, que dire ? Peut-être ceci. Pour ma part, dit-il, je vis dans un luxe particulier qui est d'aimer le présent en sachant que nous avons été précédés par des siècles qui ont déposé comme des alluvions magnifiques les plus belles œuvres de la main, de l'intelligence, de l'esprit. Voici son choix parmi ces alluvions magnifiques. Alors d'abord, je vais préciser que la devise en espagnol, Nadie sabe lo que somos, c'est une devise des anarchistes, qui est à la fois antidéiste et en même temps qui porte une appréciation modeste sur la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Alors, pour rester en espagnol, mais brièvement, je vais lire un poème de Pablo Neruda, qui est extrait de son recueil 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée.
Alors, c'est un recueil de 1924. Le jeune Neruda se prenait volontiers pour un poète symboliste français, avec cap et sombrero. Simplement, en 1924, il s'est passé un certain nombre de choses, notamment Apollinaire, et les émules hispaniques, un peu cubistes, d'Apollinaire. Donc, ce poème en porte la trace. C'est ce qu'on aurait appelé à la Renaissance un blason, c'est-à-dire une description élégiaque du corps de la femme aimée, avec évidemment une résonance érotique. Et je pense que vous allez assister à une première ce soir. Il est probable qu'en 4 siècles, un mot n'avait jamais été prononcé sous cette coupole. Le mot pubis, eh bien, ça va être fait. Donc, nous commençons par l'espagnol. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros. Y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. En français. Corps de femme, blanche colline, cuisse blanche, tu ressembles au monde avec tes airs d'offrande. Mon corps de paysan sauvage te laboure et fait surgir l'enfant du fond de la terre. Je n'étais qu'un tunnel, de moi s'enfuyaient les oiseaux et en moi la nuit entrait de sa puissante invasion. Pour survivre, je te forgeais comme une arme, une flèche pour mon arc, une pierre pour ma fronde. Mais l'heure de la vengeance est tombée et je t'aime, corps de lait, de mousse, de peau, avide et ferme. Ah, les vasques des seins, ah, les yeux de l'absence, ah, les roses du pubis, ah, ta voix triste et lente, corps de ma femme. Je persisterai dans ta grâce, ma soif, mon désir sans limite, mon chemin hésitant, canal obscur où la soif éternelle demeure, où s'écoule la fatigue et l'infinie douleur. Traduction de Christian Guerne. Merci. Je vous prie de me pardonner cette évidence, mais par définition, un chercheur se tient face à l'inconnu et ne redoute pas la surprise. Or, Antoine Triller est un chercheur. Il est même secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. C'est ainsi qu'il a choisi une œuvre surprenante, née au cœur de ce 18e siècle qui aima tant la science. Il est accompagné par Robert Saakian, pour l'anglais, non pas d'ailleurs qu'Antoine Triller ne parle pas l'anglais, mais en homme précis et respectueux, il a jugé que son accent américain ne convenait pas au texte qu'il a choisi. Le personnage de Laurence Sterne, Tristram Shandy, gentilhomme anglais, commence son autobiographie par ses souvenirs d'homonculus
lors de la fécondation de sa mère par son père. L'homonculus était une version miniature du fœtus à naître qui se trouvait à l'intérieur du spermatozoïde. L'ovule servait quant à lui à le recevoir et à le nourrir. I was begot in the night, betwixt the first Sunday and the first Monday in the month of March, in the year of our Lord, 1718. I am positive I was. But how I came to be so very particular in my account of a thing which happened before I was born is owing to another small anecdote, only known in our family, but now made public for the better knowing and better clearing up of this point. My father, you must know, who was originally a turkey merchant, but had left business for some years in order to retire to and die upon his paternal estate in the county of, was, I believe, one of the most regular men in everything he did, whether it was matter of business or matter of amusement, that ever lived. As a small specimen of this extreme exactness of his, to which he was in truth a slave, he had made it a rule for many years of his life, on the first Sunday night of every month throughout this year, and as certain as ever the Sunday night came, to wind up a large house clock, which we had standing on the back stairs head with his own hands. And being somewhere between 50 and 60 years of age at the time I have been speaking of, he had likewise gradually brought some other little family concernments to the same period, in order, as he would often say to my Uncle Toby, to get seven of them all out of the way at one time, and be no more plagued and pestered for the rest of the month. Laissez-moi vous présenter Tristram Shandy, gentilhomme anglais. Je vais parler à sa place. Il ne parle pas bien français. Je fus engendré dans la nuit du premier dimanche au premier lundi du mois de mars de l'an de grâce 1718. Je suis absolument sûr de ce que j'avance. À ceux qui s'étonneraient de me voir aussi bien renseigné sur un événement qui s'est produit avant ma naissance, je dirais que je dois ces précisions à certaines petites anecdotes qui jusque-là n'étaient connues dans notre famille, et je les porte aujourd'hui à la connaissance du public afin d'éclairer ce point qui nous intéresse. Donc sachez d'abord que mon père, qui à l'origine faisait le commerce des marchandises importées de Turquie, mais qui avait quitté les affaires depuis plusieurs années et s'était retiré sur les terres paternelles dans le comté, avec l'intention d'y demeurer jusqu'à sa mort. Sachez que mon père était probablement dans tout ce qu'il faisait, et ceci se vérifiait aussi bien dans le travail que dans la bagatelle, l'un des hommes les plus réglés que la terre eût porté. Pour citer un petit échantillon de cette exactitude extrême dont il était, disons-le tout net, l'esclave, il s'était prescrit pour règle une règle qu'il avait ponctuellement observée durant de longues années de sa vie et dont le rituel se répétait du soir du premier dimanche de chaque mois tout au long de l'année, aussi infailliblement que revenait le dimanche soir, de remonter de ses propres mains l'horloge du parquet familial qui trottait immuable sur le palier de l'escalier de service. Et comme il devait bien avoir entre 50 et 60 ans à l'époque dont je parle, il avait petit à petit pris le pli de mettre à profit cette journée fatidique pour y inclure à l'ordre du jour diverses petites affaires domestiques sans rapport avec celles qui nous intéressent, afin, disait-il, souvent à mon oncle Toby, de les expédier en bloc une bonne fois et de n'être plus assommé, de n'avoir plus l'existence empoisonnée par ses broutilles tout le reste du mois. Tout ce dispositif était parfait, à ce détail près qu'il fut à l'origine d'une belle calamité qui, hélas, s'abattit principalement sur moi, et dont je crains de traîner les effets avec moi jusqu'au tombeau. C'est que par une malheureuse association
entre des idées qui, à l'ordinaire, n'ont entre elles aucune espèce de liaison naturelle, ma pauvre mère en vint à la longue à ne plus pouvoir entendre la maudite remonter de la maudite horloge sans qu'infailliblement d'autres pensées lui vinssent à l'improviste et vice-versa. Ce sont ces étranges combinaisons d'idées dont le sagace Locke, qui certainement connaît mieux la nature de ces phénomènes que la plupart des hommes, affirme qu'elles ont produit plus d'actions distorses que toutes les autres sources de préjugés réunies. Ceci dit par simple parenthèse. Que mon père ou ma mère, ou même les deux à la fois, puisqu'ils y étaient également tenus par devoir, n'y ont-ils regardé de plus près au moment de m'engendrer, s'ils avaient dûment pour penser toutes les conséquences de l'acte qu'ils étaient en train d'accomplir. S'ils avaient songé qu'il y allait non seulement de la génération d'un être doué de raison, mais peut-être aussi des heureuses proportions de son corps et des qualités de son tempérament, que dis-je, du génie et du tour d'esprit qu'il posséderait en propre, et même ce qu'il ne pouvait imaginer, jusqu'à preuve du contraire, que la destinée de toute sa famille allait dépendre des humeurs et des dispositions qui les dominèrent au moment fatidique. Bref, s'ils avaient dûment pesé toutes les données de l'affaire et avaient agi en conséquence, je suis intimement persuadé que j'aurais montré au monde un tout autre visage que celui que je risque d'apparaître au lecteur. Croyez-moi, braves gens, l'affaire n'est pas aussi futile que tant d'entre vous le pensent. Vous avez, j'imagine, tous entendu parler des esprits animaux, de la manière dont ils sont transfusés du père au fils, du père à la fille, et tout ce qui s'ensuit, ainsi que mille et mille autres détails sur le sujet. Eh bien, croyez-moi sur parole, le bon sens dont un homme serait nanti, ou la sottise dont il sera affligé, comme les succès ou les revers qu'il connaîtra dans le monde, dépendront à 90% du mouvement et de l'activité déployés par les 10 esprits. Des diverses directions que vous leur aurez fait prendre, comme du train où vous les aurez menés au moment de l'opération en question. L'impulsion, une fois donnée, bonne ou mauvaise, peu importe, les voici lancés à grand randon, bredi-brela, brolic-breloc. Dites-moi, mon ami, je vous en prie, dit ma mère, n'avez-vous pas omis de remonter la pendule ? Bon Dieu, s'écria mon père, mais en prenant soin de bémoliser du même coup son exclamation. Est-ce qu'une femme, depuis la création du monde, est-ce qu'une femme a jamais interrompu un homme avec une question aussi stupide ? Mais permettez, que disait votre père ? Rien. Non, assurément, je ne vois ni bon ni mauvais dans cette question. Ah, convenez pourtant, monsieur, que cette question indifférente fut pour le moins intempestive, à en juger par la débandade qu'elle a provoquée dans les esprits animaux, proprement dispersés à tout vent par ce coup inopiné, eux qui avaient pour mission d'escorter main dans la main l'homonculus pour le conduire sain et sauf jusqu'à l'endroit destiné à l'accueillir. L'homonculus, monsieur, si trivial et grotesque qu'il puisse apparaître lorsqu'il fait son entrée dans ce monde frivole aux yeux de la sottise et du préjugé, possède à ceux d'une raison éclairée par les recherches de la science, tous les attributs et prérogatives reconnus à la personne humaine, protégés par des droits définis qui délimitent cette liberté d'action. Les plus fins détaillistes et disséqueurs de rien que compte l'espèce philosophiste, ces pense-menus qui, soit dit entre parenthèses, ont le plus élargi la sphère de notre entendement, la portée de leur intellect étant en raison inverse des minutes, des minuties où les conduisent leurs recherches, nous ont démontré sans contestation possible que l'homonculus a été créé par la même main. Le cinquième jour de novembre 1718, lequel tombait aussi près des 9 mois de calendrier requis que put raisonnablement l'espérer n'importe quel mari, je, Tristram Shandy, fils de bonne famille, vit le jour dans ce monde infect et calamiteux où tenons notre état. Que ne suis-je né dans la Lune ou dans n'importe quelle autre planète, à l'exception de Jupiter ou de Saturne, car je n'ai jamais pu supporter le froid. Sur aucune, encore que je ne saurais répondre de Vénus, je n'eusse essuyé pire désastre que sur cette planète de turpitude et de fange que nous habitons. Je la crois faite, en effet, que ne puis-je, ô ma conscience, m'exprimer là-dessus en termes révérencieux, je la crois faite des rogatons et des rognures des autres.
Oh, ce n'est pas qu'elle soit si mauvaise que cela, non, pourvu qu'on ait la chance d'y naître chez les plus huppés, ou d'être déjà tout cousu d'or en y venant au monde, ou en tout cas que l'on soit assez versé dans l'art de la brigue pour s'y hausser aux charges publiques, dignité ou poste de pouvoir. Mais ce n'est pas mon cas, et chacun parle de la foire selon les profits qu'il y fait. En foi de quoi, je le répète, oui, c'est bien là l'un des plus infects d'entre tous les mondes jamais créés, car je puis affirmer ma foi depuis l'heure où je commençais d'y respirer jusqu'à l'heure présente où me voici presque totalement privé de souffle par la faute de cet asthme que j'ai contracté en Flandre à patiner contre le vent, je fus le jouet perpétuel de ce que le monde nomme fortune. Cette impitoyable duchesse a fait pleuvoir sur moi le plus effroyable déluge de mésaventures et d'accidents contraires, parfaitement calamiteux, qu'ait jamais essuyé un insignifiant héros. Ainsi commence le récit de la vie de Tristram Shandy, gentilhomme anglais que j'ai eu le plaisir de vous présenter. L'art de Blancali, danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, réalisatrice, comédienne, conjugue tous les genres, les cultures et les disciplines. Inspirée volontiers par la peinture et la littérature, elle déploie une œuvre éblouissante. Elle ne pouvait malheureusement pas être là ce soir, mais comme Aïm Corsia, elle a enregistré une vidéo et nous allons pouvoir l'écouter maintenant. Federico García Lorca, poeta en Nueva York. Federico García Lorca es un del plus grand poeta español y le né a Granada, c'est ma ville natale aussi. Il avait écrit ses poèmes dans un voyage qu'il a fait à New York. Et j'avais fait un spectacle qui était inspiré de ses livres de poèmes merveilleux qui s'appelait aussi Poeta en Nueva York. Donc j'ai choisi un poème que j'aime beaucoup. C'est un poème qui parle bien sûr de la danse, de le corps, mais qui est aussi un poème sur l'amour et très sensuel. Se llama Pequeño Vals Vienes. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 ay. Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals de te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas. Y en las ondas oscuras de tu andar, quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals.
pour notre dernière lecture, voici Martha, Martha Dotsenko. C'est une toute jeune fille, elle est ukrainienne et elle a bravement accepté de venir ce soir pour dire une fable de La Fontaine qui est traduite, lue, apprise par les enfants de son pays comme par les petits Français. Elle est accompagnée, entourée, on peut dire, ce soir par un écrivain, Éric Orsenna, de l'Académie française, par un astrophysicien, Pierre Léna, Académie des sciences, et par un compositeur, Régis Campo, de l'Académie des beaux-arts. Elle dira cette fable dans la langue de son pays, où, nous l'espérons, chacun aura bientôt le loisir de lire à gogo tout son sou. Allons-y. Dans les guerres, comment ? Le corps souffre. Dans la langue, le corps parle. Lorsqu'il y a près de 2 ans, la Russie envahit l'Ukraine, l'Institut de France et ses académies, sous diverses formes, manifestèrent leur solidarité à ce pays, comme en atteste le drapeau que vous avez vu, puisque depuis, il flotte à l'entrée du Quai Conti. Au-delà d'un soutien aux scientifiques en exil, l'Académie des sciences et son secrétaire, Étienne Gys, avec l'Institut, voulurent accompagner les enfants réfugiés. Et l'on vit alors, avec surprise parfois, chaque samedi, ces enfants réfugiés jouaient aux molécules du climat de la Terre dans la cour d'honneur de l'Institut, entendre dans les salons les professeurs de l'école ukrainienne de Paris, Saint-Volodymyr, aux locaux devenus trop étroits pour les accueillir. La langue universelle de la science, celle de la musique, se devait de faire briller leurs yeux trop emplis des larmes de la guerre et de la douleur des séparations d'avec les pères. Semaine après semaine, 43 ateliers et visites créés par des membres de l'Institut, animés avec Igor Dotsenko, emmenèrent voir les étoiles à l'Observatoire de Paris, découvrir la bande de Möbius avec un mathématicien ou les crânes de Totavel avec un paléontologue. Oui, dans les guerres, le corps souffre, mais dans la langue, le corps parle. Aussi avons-nous choisi d'entendre Martha Dotsenko, qui fut attentive à nos ateliers, parler dans sa langue une fable que connaissent les enfants de France, une fable que Léonid Slibov écrivit en ukrainien vers 1880 et que récitent les enfants d'Ukraine. Et puis Éric Orsenna la dira en français avant que Régis Campo, Yona Yamada, Tatiana Pro en fassent entendre la musique qui conclut, comme il se doit, cette nuit de la lecture par une morale, comme toute fable, celle que dit l'explosion de la grenouille, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Леонід Глібов, «Жаба і віл». Раз жаба вилізла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. «Який здоровий, моя ненько! Ну що, сестрице, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися». «І ти вже б, сестро, нам рівняться!» – казать їй подруга почала. А та не слуха, дметься, дметься. «Що, сестро, як тобі здається, побільшила хоч трохи я?» «Та
ні, голубонька моя. Ну, а теперечки, дивись. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, зиметься гірш. Все думає, що стане більш. Та, що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одубіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, ніде правди, діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Il y a neuf mois, j'étais en Ukraine et j'ai pu vérifier concrètement que un pays était un corps et que des ogres voulaient le dévorer. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Oh, nenni, m'y voici donc ? Point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point ?» La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Bien, nous allons donc terminer notre soirée en musique grâce à Régis Campo qui arrive et qui va vous expliquer ce dont il s'agit. Mais pendant que les musiciens s'installent, bien, je voudrais vous remercier de votre présence. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que nous vous avons donné envie de lire jusqu'à plus soif. Voilà, nous terminons la soirée avec Régis Campo. Jean de La Fontaine compose ses premières fables en 1668. Et j'ai choisi cette fable que Eric a merveilleusement dit. À la fois parce qu'elle a un sens aujourd'hui, social, politique, tout ce qu'on veut. Mais aussi, pour un compositeur, c'est quelque chose d'incroyable, c'est l'histoire d'une grenouille qui explose. Donc, je ne sais pas si Tatiana Props va exploser. C'est une formidable soprano. Elle est compositrice et je dois dire que notre Académie des Beaux-Arts lui a remis un très grand prix. Donc, je suis heureux qu'elle ait accepté de chanter cette fable que j'ai mise en musique. Et elle est accompagnée par Yoko Yamada, une brillante pianiste. Alors cette fois-ci, elle le joue non pas sur un grand piano, mais un toy piano. C'est exactement comme un piano, mais en miniature. Donc j'ai trouvé que Jean de La Fontaine, pour un compositeur, Jean de La Fontaine, c'est le français par excellence. C'est un français magnifique avec Montaigne, Pascal, Rabelais. Mais pour moi, c'est Jean de La Fontaine. Je suis ému qu'il était de l'Académie française, avec toi, Eric. Enfin, pas en même temps. Hein, c'est... Voilà. Donc, je remercie encore une fois... Ah, bien.
parce que je ne voulais pas, parce que le corps, il y a des moments où il ne fait rien. Et on disait de La Fontaine qu'il était paresseux. Sauf que 350 ans après, ça reste comme paresseux. Juste un petit mot, l'épitaphe qu'il a lui-même écrit, qui est formidable. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dépenser, deux parents filles dont il voulait passer, l'un à dormir et l'autre à ne rien faire. Merci, Eric. En place à nos deux musiciennes. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf. Envieuse s'est enrhée, s'enfle, 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 s'enfle. Et ce travail pour égaler l'animal en grosseur des ans. Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Ni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point, la chétive pécore s'enfla, 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 si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-pages. C'est juste. Bien. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Régis. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.